type de réflexion philosophique, théorie de la connaissance, hein, on a dit ça, et puis théorie des nombres, on va essayer de se focaliser là-dessus. Je fais des vidéos, là aujourd'hui j'en ai fait deux encore, hier soir. J'ai publié ça hier soir parce que je parlais un peu de mathématiques, de physique, je fais encore un petit exposé sur le croisement ABC, Adam B, enfin le problème des groupes quantiques. Et puis, donc je l'ai publié parce que je reviens un peu sur l'importance de cette découverte du point de vue fondamental en mathématiques par rapport à cette guérison, où il va falloir en fait, où je dis qu'il va falloir travailler avec les, vraiment être pris au sérieux par les scientifiques, parce que si je veux après aider, enfin voilà, avec cette guérison, les médecins, ils doivent avoir travaillé en phase avec les scientifiques, hein, si cette découverte, enfin vu que cette découverte est réelle. Et vu que personne, en fait, donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie réellement je vais changer le micro parce que si, ouais, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe left, right, putain, je sais même pas dans quel sens c'est. C'est la merde, personne m'a cru quoi en fait toutes ces années. Je suis passé pour un con là, tout le monde m'a fait passer pour un con. Donc du coup l'histoire, voilà, moi je fais quoi en fait maintenant? On va dire que c'est de ma faute, je m'y suis mal pris, j'ai pas été. C'est de ma faute quoi. Encore derrière. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mal pris en plus, parce que les gens en plus ils me disent limite c'est à moi de me remettre en question, c'est moi le problème. Donc non, il y a un moment où il faut arrêter en fait. Il faut que je fasse une vidéo vraiment avec mes cheveux sur la tête où je mets un stop, hein. Je mets un point d'arrêt à tout ça quoi, hein, cette diffamation quoi. Je dis moi je vais pas attaquer l'État, je vais pas attaquer le système Castex et compagnie, je vais pas les attaquer au tribunal parce que la société elle veut rien comprendre en fait. Et parce que le problème c'est vous en fait, c'est ni les scientifiques ni l'État c'est les gens qui m'écoutent depuis toutes ces années à qui je m'adresse en fait, que ce soit à l'oral, par écrit, sur internet, je fais des rencontres, je leur explique à chaque fois, je guéris de la calvitie, je découvre un truc qui refonte tous les maths, et puis les gens en fait ils s'en tapent quoi, et puis ils font demi-tour, ils font comme si de rien n'était quoi. Donc là, je viens d'envoyer, ouais, c'est la fin du monde, c'était une blague, parce qu'elle me disait que Facebook elle avait censuré parce qu'elle avait mis des animaux qui jouaient, une de mes contacts, et puis ils ont censuré la vidéo, comme quoi il y avait de la violence, alors c'était des animaux qui jouaient ensemble, donc je dis, bah ouais, c'est bientôt la fin du monde. Puis elle me demande pourquoi, puis alors bah, je lui dis, parce que voilà, il y a Facebook qui fait de la merde avec la censure, et puis je dis, parce qu'il y a ma guérison qui se termine, qui est terminée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ouais bah voilà, je vais annoncer ça en fait, hein. Je vais faire une vidéo où j'annonce ouais bah terminé, voilà le fondement du tout, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle civilisation, toutes les sciences sont fausses quoi, j'ai la preuve au-dessus de la tête en fait. J'ai réussi à guérir une calvitie, j'ai découvert la fonction de régénérescence du corps. Hein. Toutes les maths, la physique, la biologie, la chimie, et puis bah même les sciences sociales du coup, hein, parce que vu que je suis parti de là, hein, je suis parti en fait d'une découverte en philosophie, en sociologie, en voilà, sociologie des sciences, qui remettait en question un peu notre approche de la réalité, de notre rapport à la nature, à la culture, à l'esprit, la matière, à l'état, au capitalisme. Et ce principe il s'est étendu après sur tout le champ de la connaissance. Donc voilà, tout est faux comme chante Kenny Arcana, superbement bien, avec une poésie vraiment explicite. Moi, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, si je reste dans mon coin, je fais la tomate, je me mets en boule. Je me replie sur moi-même,
ça va changer quand même, il y aura quand même une révolution, mais de toute façon, elle va se faire, elle va se faire quoi qu'il arrive, avec ou sans moi. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi, du coup, hein? Parce que bon, ça vient de ma philo, hein. Après, ma philo, c'est pas moi. C'est pas, moi, j'ai simplement synthétisé le travail de plein d'auteurs, en fait, hein. Qu'ils soient classiques ou contemporains, donc. Je vais pas vous faire une vidéo catastrophe en mode ouais c'est la fin du monde on va tous crever alors que c'est carrément pas ça qui se passe en fait, c'est carrément l'inverse hein. C'est une renaissance en fait hein, de l'humanité, de toute l'humanité. Au chant du coq. Et elle est française, voilà, cette découverte. Donc, faut en être fier. Mais après, justement, il faut être à la hauteur de ce truc-là, quoi, les Français. Hein. Donc, moi, je suis déçu de mon pays, comment j'ai été traité. Il faut que je le fasse comprendre, quoi, en fait. Dans cette vidéo, en disant, bon, voilà, ma guérison, elle est terminée. Mais cette guerre contre moi, entre moi la société dans laquelle je vis, on va dire plutôt, il faut qu'elle se termine aussi, quoi. Parce que là, si moi je continue encore à être marginalisé et à ce qu'on me l'a fait à l'envers comme on fait depuis des années, ça va être là, effectivement, ça risque d'être vraiment une fin du monde, quoi. Coucou le cheval, il nous dit bonjour. Parce qu'il est habitué à nous voir passer un peu une fois, deux fois par jour, donc à force, bah. Il y a Kiro qui arrive, le chien qui vient nous dire bonjour aussi. Ouais, la fin du monde, bah non, regarde, avec les animaux, justement, la part animale de l'humain. Essayer plutôt de se reconnecter, hein. Donc ce que je fais avec mes petites vidéos là un peu, où j'invite les gens à réfléchir à ça quoi en fait, à se dire mais attends, finalement est-ce que c'est la bonne voie l'urbanisme comme ça, sans aucune perspective d'avenir en fait, quand on voit l'intelligence artificielle qui vient aussi remplacer le tertiaire, le domaine du tertiaire, où on est dans une barbarie moderne hein, du coup là, hein, on est vraiment, tout s'effondre. Même si on voit très bien que l'IA, elle est pas, c'est pas ça, hein, ça va pas marcher. Hein, de toute façon, on aura toujours besoin de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais après, c'est de revoir en fait tout ce qui pose problème justement à cette modernité, à cette intelligence artificielle, tout ce qu'elle soulève comme problème. Hein, donc le problème de l'écologie, de la surconsommation, du conditionnement de masse. De la guerre de l'information, du coup, hein, une espèce de tyrannie comme ça qui vient du web, et d'essayer du coup d'appréhender un peu une modernité de manière un peu plus sereine, quoi, en se disant, bah là, nous, on est des pionniers, c'est le début, c'est normal, ça cafouille, tout ça, c'est nouveau, en fait, pour nous, les humains, et c'est à nous d'apprendre à maîtriser ces nouveaux outils. Pour rester humain, hein, justement, et retrouver notre humanité. Et donc cette guérison, elle est là pour ça, selon moi. Donc c'est ça qu'il faut que j'explique, une fois que je suis guéri, qu'en fait, il s'agit d'une bonne nouvelle, mais en même temps de quelque chose de grave, de lourd. Je crois que c'est un peu ça que je répète dans mes vidéos, là, depuis ce matin. Je tourne un peu autour du pot, c'est-à-dire qu'à la fois en même temps, ou même hier, en même temps considérer la chose de manière positive, mais avec énormément de prudence, quoi. Et puis de sérieux. C'est-à-dire si question de refonder les sciences du 21e siècle, pour le 21e siècle, refonder les sciences, ça veut dire prendre les choses, du coup, reconsidérer un petit peu tout ça. Sérieusement et non plus dans un paradigme, une logique qui appartient au XXe siècle
et dont les modèles ne sont plus du coup aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, on voit bien hein, à quel point par exemple le modèle de gauche, hein, communiste de gauche, il n'arrive plus à fonctionner. Quand on est sur Facebook, comment voulez-vous qu'un quelqu'un qui milite pour les valeurs humanistes de gauche, de partage, en ayant une page sur Facebook, un groupe, on voit bien à quel point il y a une rupture en fait entre ce discours-là, mutualiste, socialiste, et puis l'usage du web, hein, l'usage d'un réseau social. Comment là on est passé, on a franchi un saut vraiment au niveau de la méthode à adopter hein, dans l'organisation sociale. Donc ça c'est une première chose. Donc revoir un peu notre rapport au web, à l'information en fait du coup. Hein. Et du coup faire usage de l'information, donc sortir des idéologies du 21e siècle, du 20e siècle, même de toute forme d'idéologie, quoi, hein, pour essayer d'approcher le réel d'une manière plus concrète, hein, que nos esprits. Nos états d'esprit soient prêts à accueillir un peu une technologie beaucoup plus puissante hein, qu'avec l'informatique quantique, mais en même temps beaucoup plus risquée, dangereuse. Donc voilà, donc tous ces signaux d'alerte, les virus, les toutes sortes de dérives de risques, les nanotechnologies, l'anthropocène en général, le fait de pouvoir maîtriser le climat, maîtriser le pouvoir confiner tout un peuple comme ça, des effets comme ça très importants sur la masse qui nous font peur. On peut se retrouver comme ça complètement pris au piège hein, d'un système, hein, toute une population entière, on a vu avec le Covid. D'essayer de voir ça un peu comme un. Des électrochocs qui pour nous faire transiter vers un autre temps, une autre époque où le risque il est vraiment réel du fait de notre puissance technologique, qu'on ait conscience de ça et qu'on se laisse plus du coup emporter inconsciemment, justement que notre inconscient il se laisse emporter piégé par le tout cette idéologie que ça implique en fait hein. Toute cette technologie de l'information, elle nous entraîne, elle nous aspire systématiquement un peu vers une société du spectacle, du loisir, de la consommation. Et du coup, c'est comme ça que le monde dérive en fait hein, et se détache de l'essentiel du coup. De ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est que le web, on est connecté à tout le monde entier, quoi, hein, grâce au web. Hein. Donc nous, en tant qu'occidentaux, si en plus notre mode de vie pose vraiment un problème à l'échelle de la planète, avec le réchauffement, le problème du réchauffement, etc., notre système de consommation aussi, qui est quand même bien basé sur les anciennes colonies, donc essayer de concevoir le web non plus comme un instrument de culture, un peu d'échange d'informations et de divertissement et de loisirs, mais vraiment comme une responsabilité politique et morale, hein. Ou du fait qu'on soit maintenant désormais on soit connecté entre terriens, du coup c'est une nouvelle conscience qui s'impose à nous, un peu, hein, une conscience planétaire. Du coup, bah, mes découvertes comme ça qui refondent les maths, la médecine, blablabla, un nouveau droit, donc un droit international, elles sont là, enfin un droit universel, hein, elles sont là, voilà, pour nous faire évoluer dans le bon sens, dans le sens de la raison. Donc ça ne veut pas dire que j'ai raison, absolument. Moi je suis un humain qui est fait
qui est fait de errare humanum est, quoi, hein. Je fais plein d'erreurs, même j'avance grâce à ça, même un peu, si on voit, on a une démarche heuristique, essai, erreur, j'essaye, ça marche pas, ça, hop, j'arrête ou je fais autre chose. Donc mon heuristique, en fait, j'essaye de, enfin ma démarche heuristique, j'essaye d'inviter un peu tout le monde à faire pareil, à se dire bon, le système il va pas, c'est sûr, maintenant c'est prouvé qu'il est défaillant, il y a un trouble, il y a quelque chose de vraiment défaillant dans le fonctionnement global des organisations humaines, quelles qu'elles soient, en ce moment sur la planète. Et que donc ça c'est une certitude. Et après, c'est à chacun d'essayer de voir un peu avec un paradigme spatio-temporel où le temps deviendrait le moteur. Donc du coup, hein, c'est plus un espace-temps, genre un objet en tant que tel. C'est vraiment, il n'y a que de l'espace et qui est en mouvement et à cause du temps. Hein, donc où le temps serait la cause, hein, de ce mouvement. Vraiment quelque chose de fondamental. Et ce qu'on appellerait espace-temps, en fait, ce serait de l'espace en mouvement, simplement, du fait du temps. Donc, du coup, bah, chacun à son niveau, quoi, hein. Si on travaille dans la santé ou dans l'alimentation, dans l'agriculture, ou alors si on est diplomate ou en politique, on essaye de voir chacun dans son domaine de discipline. Bon, après, on peut aller voir ailleurs aussi, mais hein, c'est la liberté de penser, de toute façon, hein, l'espace-temps, hein. Donc, chacun peut voir le truc un peu à sa manière, mais dans un souci comme ça de changement, de transition, de changement de paradigme ultra nécessaire, du coup, hein, pour appréhender l'avenir. Ultra nécessaire jusque dans les fondements maths et tout, donc avec beaucoup de promesses. Du coup, donc reprendre un peu le goût au progrès. Reprendre le goût de la conquête un peu, mais voilà, du progressisme, c'est-à-dire l'esprit du développement. L'esprit de développement, et qu'on quitte un peu cette période glauque d'effondrement, du coup. Merci à Pablo Servigne, merci à tous ceux qui nous ont informés pendant cette période. En relayant un peu des fois le discours des think tanks américains qui cherchent un peu à se débarrasser aussi d'une bonne partie de la population mondiale. Donc ils ont entraîné un peu les écolos comme ça dans une espèce de dépression en passant par les scientifiques et le problème du climat, en nous entraînant vers une espèce de dérive comme ça suicidaire, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Et parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est ce qu'ils aimeraient bien en fait, parce qu'on est trop nombreux sur Terre, avec un système de consommation pareil, ça va pas du tout. Donc, moi ce que je propose du coup à tout le monde, c'est bah non, on se répare nous-mêmes, on répare nos corps, et on répare la planète. Hein. On répare les dégâts commis sur la planète comme on a pu réparer notre corps, quoi, en fait. Hein. Et après, du coup, ben, tout ce qu'on va prospecter pour l'avenir, en fait, tous les projets qu'il faut construire pour l'avenir en ce qui concerne la Terre, hein, il faut vraiment faire attention de ne plus reproduire des schémas destructeurs, quoi, justement, hein, donc rentrer dans des spirales qui n'ont pas de sens. Hein. Bon, après, on ne peut pas empêcher ça, hein, parce que c'est vraiment, ça fait partie de la nature humaine de se tromper. Mais en ce qui concerne la relation entre l'industrie, l'humain et l'environnement, c'est là, la clé, elle est là, hein, de trouver des systèmes d'organisation, d'entraide, d'échange, de production, qui soient du coup en harmonie. Bon, dans les fondements maths, la suite harmonique, c'est quelque chose, c'est dans la radioactivité, c'est vraiment quelque chose de fondamental, ou à l'origine du son, hein, même la musique. Donc, c'est pour ça que le terme d'harmonie, jusqu'à maintenant, quand on parle d'harmonie concernant l'organisation sociale, c'est plutôt réservé à un discours plutôt New Age, hippie, un peu des gens qui sont un peu rêveurs. Alors que bon, du coup, moi j'essaye d'apporter quelque chose de plus dur un peu derrière ça, dans cette idée d'harmonie, quelque chose de plus construit
avec la méthode complexe déjà de Morin, où on comprendrait une forme d'antagonisme dans la nature où, qui obéit justement à des lois de la nature qui sont harmonieuses. Dixit, voilà la permaculture, hein, comment fonctionne la nature entre elles, la biodiversité, tout ça. Dans ce chaos, il y a une espèce de logique d'ensemble qui fait bien les choses, quoi. On dit la nature fait bien les choses. Donc retrouver ça, se reconnecter ça à cette logique naturelle, et puis cette logique de la nature, et en comprenant la nature de la logique, du coup. Et du coup, bon, moi je prêche pas pour un monde de bisounours, de toute façon je rêve pas, je sais qu'il y aura toujours des conflits, des tensions, et c'est jamais simple. Mais là où ça bloque, voilà, où on n'avance pas, et ben là on aura un paradigme qui pourra justement nous permettre de dialoguer quand on se met autour de la table. Là où aujourd'hui ça semble complètement impossible, quoi. Donc, je peux prendre un exemple concret, 21 minutes. C'est l'exemple dans le squat où j'étais là-bas, j'avais lancé l'idée, mais c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Mais ici, par exemple, par rapport à tous les problèmes d'environnement qu'il y a dans cette zone, là où je me situe, là, il y a plein plein de problèmes d'environnement. Et c'est difficile de mettre tout le monde, donc du coup, comment régler ces problèmes, quoi. Parce que souvent, c'est des problèmes administratifs, c'est des problèmes un petit peu financiers, mais c'est surtout des problèmes de décision politique, en fait. C'est qu'il n'y a pas la volonté. Et pourquoi il n'y a pas la volonté? Parce qu'on manque de démocratie, on manque de participation démocratique. Et donc, selon moi, on n'a pas le bon paradigme. Donc, une SIC, par exemple, une SIC, Société d'intérêt collectif, l'État peut participer, mais il ne peut pas être majoritaire. On peut y mettre de tout dans cette SIC. Donc j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Société d'intérêt collectif, on peut y mettre donc des particuliers, des associations, des entreprises, tout type d'organisation, quoi, en fait, hein. Et du coup, ça serait un peu le meilleur moyen de mettre tout le monde autour d'une table. Pour se mobiliser autour d'un problème qui nous concerne, qui est commun en fait, hein. Donc voilà, et réapprendre la démocratie, donner une bonne leçon de démocratie à la Russie, à la Chine, là où c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est eux qui nous rendent pourquoi on perd nos droits fondamentaux et pourquoi l'Occident est en train de s'effondrer, parce que on a échoué dans le sens où c'est le modèle plutôt autoritaire qui revient en Europe et qui se réinstalle en Europe, hein, ce qu'on appelle l'austérité européenne, plutôt que une victoire de la démocratie, et de la liberté et de la participation démocratique de citoyenne aux décisions. On voit bien que ce modèle, il est. Voilà, il est en chute libre. Donc, comme la gravité d'Étienne Klein. Donc, du coup, bon, la démocratie, moi, je pense, c'est pas la panacée non plus, parce qu'on connaît les humains, on sait comment, dès qu'on met une, deux, trois, cinq personnes autour d'une table, ça va, mais alors si on met 50, 100, 200, 500 personnes autour d'une table, là, c'est plus possible. Donc, essayer de voir un petit peu comment il semble nécessaire de garder une autorité, quelque chose de vraiment qui vient de tout en haut. Bon, au moins qui vient de la nation ou de l'Europe, voilà, et qui donne un petit peu des grands axes, quoi, un peu, mais il faut que pour ça, il faut qu'il soit pas, comment dire, autoritaire, c'est une chose, après, tyrannique et puis fanatique, c'en est une autre. Parce que pour moi, détruire les cabanes comme ils ont fait en 2018-2019, interdire par exemple de cultiver soi-même, de faire son propre. Engrais vert ou quoi, j'ai vu son purin d'ortie, c'est interdit par la loi. Bon, là on est dans le fanatisme, par exemple. Là on n'est plus du tout dans une autorité un peu supérieure qui vient un peu donner des directives et des subventions ou des orientations politiques. Là c'est vraiment une espèce de folie, quoi, hein, en fait, hein, quand on interdit
Bon, voilà, la politique agricole, elle est vraiment très démesurée, quoi. Donc, retrouver un peu le sens de la mesure, retrouver nos droits fondamentaux et donc refaire fonctionner l'appareil démocratique, mais de façon efficace, vraiment, quoi. Quand on parle de démocratie participative, que ce soit pas un espèce de sketch monté de toutes pièces par des organisations politiques, voilà, quoi, endoctrinées par la propagande, en fait. Parce que c'est ça le problème, je pense, hein, c'est que les élus, en fait, ils sont dans une logique d'élection, justement, et de pouvoir électoral. Et donc, c'est en opposition avec les titulaires des postes, quoi, les fonctionnaires, hein, qui, eux, ils sont dans une logique de fonctionnement, hein, fonctionnaire. Et du coup, on ne trouve pas la bonne démocratie. Ce serait ça la théorie un peu, parce que d'une part, avec les élus, il y a un petit peu trop de démagogie et voilà, hein, on flatte un petit peu on dit ce que les gens ont envie d'entendre, on s'occupe de leur rond-point, de leur jardinière, et puis à côté de ça, on laisse faire la société, on la laisse s'effondrer. Et puis d'un autre côté, la fonction publique, qui elle est dans une répétition un peu aveugle. Et à part refaire ce qu'elle sait faire, à part reproduire un peu toujours les mêmes schémas de gestion collective, elle a pas forcément d'ouverture à la citoyenneté pour accueillir du changement, de l'évolution et tout ça. Il y a un côté très conservateur chez le fonctionnaire, hein, qui cherche à conserver ses acquis, sa retraite, il travaille. Bon. Et puis il y a quelque chose donc de biaisé parmi les élus. Donc du coup, nous en tant que citoyens, on ne se reconnaît pas en fait, ni parmi les fonctionnaires, ni parmi les élus. Et que pour nous, la vie, elle nous paraît nettement différente. Donc retrouver une anthropolitique, c'est retrouver une politique de l'homme, de l'humain, justement reconnecté, connecté, qui reste connecté avec la nature et avec la vie. Là où donc le corps électoral, le corps des élus et le corps des fonctionnaires, eux, ils seraient un petit peu trop dans une culture qui aurait perdu le sens de la nature, quoi, une culture. Trop comptable, trop artificiel en fait, hein, comme cette intelligence artificielle qui est un peu très intelligente, donc très puissante et tout, mais un petit peu stupide et aveugle. Sans vouloir incriminer les élus en tant que personne, mais vraiment le rôle qu'ils jouent dans le groupe. Donc bon, moi tout ça c'est des idées politiques, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que je fais, les maths et tout. Mais j'essaye, c'est une responsabilité publique un peu que j'ai par rapport à ces recherches, où j'essaye de vraiment traiter le problème dans sa globalité en disant, bon, si personne m'a compris toutes ces années, voire même l'inverse, hein, où on m'a persécuté au lieu de m'aider, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans l'organisation propre, hein, dans notre fonctionnement, une espèce de paranoïa dans le fonctionnement de nos organisations qui vient jusque dans nos esprits, quoi, où on n'est pas du tout disposé à accueillir une méthode qui fonctionne vraiment, quoi, en fait, hein. On est trop habitué, en fait, on serait trop habitué à être dans une science, des sciences qui sont approximatives. Et que l'idée d'avoir une science un peu plus exacte, dans le sens où bon, bah, ça fonctionne, quoi, vraiment, ça marche. Bon, bah, là, on est un peu dérouté. Parce que on est toujours habitué à se confronter à une espèce d'illusion. Et que si on arrive à la faire sauter, cette illusion, là tout s'éclaire, du coup tout paraît limpide. Et ça, donc ce serait peut-être ça, on n'est pas habitué psychologiquement à une éventualité pareille.
où l'humain, en fait, il serait débarrassé un petit peu de ce voile qui le cache de la réalité, quoi, en fait. Là où jusqu'à maintenant, bon, il y a toujours eu un aspect un peu étrange par rapport au réel, quelque chose qui nous échappe, qui est un peu mystérieux. Et que là, on pourra répondre, l'homme du futur, ce sera non, non, bon, bah, le réel, c'est ça, voilà. Point barre, et puis on saura ce que c'est, et puis c'est tout. Ça changera rien en fait, hein. C'est-à-dire que tout l'aspect magique qui sera toujours là, hein. C'est comme l'électricité. On a beau savoir ce que c'est, quand on voit un orage, un éclair dans le ciel, ça nous impressionne toujours de la même manière que ça devait impressionner ça devait impressionner un homme préhistorique. Mais bon, voilà, l'homme préhistorique, lui, il pouvait construire toute une mythologie autour de cet éclair. Dieu, c'est tout, tout ça. Les dieux de l'orage, de la foudre, et il pouvait faire tout un imaginaire, faire intervenir tout un imaginaire, alors que nous, on est obligé de s'en tenir à la physique actuelle qui voilà, hein, qui maîtrise ça très bien en fait. Enfin, je crois qu'on a réussi à en reproduire, mais enfin, on maîtrise, mais peut-être pas justement, hein, il nous manque encore des notions, hein, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans un éclair, sa trajectoire et tout. Donc voilà, retour à mon merdier là. J'avance pas, je ne me suis pas mis aujourd'hui, je me suis frotté le crâne toute la journée pour essayer de finir, finir, finir. Il faut que je me dépêche. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de la finir, cette guérison. Que je sorte de ce. Je veux la finir vraiment pour ne plus parler dans le vent en fait. Vraiment là, je sens que bon, ce que je dis après, il y a des trucs plus ou moins importants qui sont à prendre en compte, mais au moins que je sens que ça y est, les scientifiques, tout le monde à peu près, les gens qui travaillent dans le soin ou dans la connaissance, ils comprennent qu'il a, il se passe quelque chose, hein. Il se passe quelque chose d'important pour tout le monde. Voilà le but. C'était donc ça, quoi. C'était donc ça mes recherches. Pourquoi ça faisait peur à tout le monde, et moi le premier d'ailleurs. Et que ça inquiétait tout le monde et que tout le monde me fuyait, c'est parce que voilà, il y avait quelque chose de vraiment super, super, super important, très, très fondamental, qui peut tout, qui est capable de tout revoir dans notre système de connaissances et de pensée. Voilà. Allez, à plus. Ok, Freestyle TV, guérison, spéciale guérison, là je viens de faire une petite vidéo très courte où on voit ma gueule, juste pour montrer l'état d'avancée de ma guérison. Là il est 8h du matin, on m'appelle, attention, hein, faut pas jouer avec mes nerfs, hein, s'il y a des gens qui sont en train de jouer avec moi là, là j'arrive en fin de guérison, donc ça va plus être la même, hein, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me raccrocher au nez derrière. Enfin, j'ai des coups de fil anonymes, j'ai des trucs. Donc, vite fait, quoi. Mais là, on va changer de régime, quoi. Justement, changer de mode de fonctionnement. Il faut savoir évoluer un petit peu. Moi, toute ma période, justement, sauvage,
mais je veux dire SDF, à galérer à la rue, rejeter bouc émissaire et tout ça, elle est terminée. Hein, moi, c'est du passé maintenant, tout ça. Hein, cette guérison, moi, elle me suffit hein, pour vraiment avancer dans tout ce que je fais hein, et repartir de plus belle. Donc, dans tout ce que je fais, qu'est-ce que je fais en ce moment? Bon, j'utilise le média, je détourne un petit peu l'usage de Facebook et de YouTube pour en faire un outil politique, un outil scientifique, surtout parce que politique, c'est pas mal ça, ça m'a fait une belle crotte. il faut toujours surveiller les selles de son chien. Et là, en fait, j'essaye de m'orienter, donc c'était un peu la raison du coup de fil en plus tout à l'heure, mais si c'est pour se foutre de ma gueule et me prendre pour un con, ça va pas le faire du tout. J'essaye d'orienter un petit peu mon activisme, en rapport un peu à la dernière intervention de Thinkerview, là, de la présidente de Sea Shepherd France, de faire de l'activisme un peu plus donc orienté sur la... plutôt que d'être dans l'ouverture de squat avec la bioclimatique, avec le bâtiment, où là on est vraiment dans les centrales, les pompes à chaleur et tout ça, c'est des problèmes techniques et technologiques, de s'orienter un peu plus sur l'aspect de la nature vraiment en tant que telle, la biodiversité et puis la condition animale, surtout. Des animaleries, je suis en train de voir un peu ce qui se fait dans le département. Là j'ai vu à Canet, à Cabestany et tout. Et comme s'il y a déjà des modèles un petit peu comme ça dans le département d'animalerie qui existent déjà, donc voir un peu déjà comment elles fonctionnent, leurs difficultés, leurs contraintes, donc peut-être les appeler, entrer en communication avec elles. Là, je suis en train de promener mes chiens là, dans un champ d'amandier. Donc elle a fait une grosse crotte au milieu du champ, donc j'ai mis des herbes dessus quand même pour le paysan qu'il ne voit pas une crotte de chien comme ça et en disant ouais, c'est encore l'autre grand con là, le parasite. Le squatteur qui est venu promener ses chiens, et de voir ça plutôt comme un amendement, en plus c'est un champ d'amandier, et donc c'est bien, t'as amendé les amandiers avec tes crottes, mais donc revoir un peu tout ça, donc juste que j'avais fait, je crois, des petites petits reportages de rue comme ça, où je dénonçais aussi l'amende, hein, en plus c'est Monsieur Delcor hein, qui a mis cet arrêté municipal, où on se prend une amende de 59 €, je crois, un truc comme ça, enfin, une somme assez importante pour ne pas avoir ramassé la crotte de son chien, et la crotte du chien, justement, on la met dans un sac plastique, dans la poubelle, qui va faire 40 km, 50 km, jusqu'à l'incinérateur ou le centre d'enfouissement, bon, une crotte dans un plastique qui est incinéré, vous voyez, au niveau de la qualité environnementale, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quoi, de toute façon. Donc, c'est ce genre de petites choses comme ça, où alors les pommes à 1 €, qu'on n'arrive pas à vendre ici dans la région en mettant au bord de la route un panneau pommes à 1 € local, et ben on se retrouve avec des pommes à 3,50 € le kilo qui viennent du Chili à Lidl, quoi, et qui se vendent très bien, justement, mais un bon packaging. Sortir de ces aberrations, ces folies, essayer de comprendre qu'en fait, le problème, vraiment, la pathologie, du point de vue pathologique, quoi, que ce soit au niveau individuel ou au niveau social, il aurait une même origine, en fait, hein, et qu'avec une grille de lecture plus fine, plus performante, plus affinée, ce que je vous propose dans tout mon travail, quelque chose d'un peu plus fondamental, donc justement, du coup, que les solutions émergent du problème, plutôt que rester bloqué sur le problème comme on est actuellement, et puis du coup, comme on n'arrive pas à le résoudre, eh ben on lève les yeux au ciel, ou on baisse les yeux par terre plutôt, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, on cherche l'espace-temps, et du coup, on ne le trouve pas. Parce qu'on n'a pas le bon paradigme de pensée, quoi. Donc, rechercher le bien-être animal, c'est aussi rechercher le bien-être, il y a le petit poney ici, c'est aussi rechercher le bien-être humain. Donc les humains, je disais dans la précédente vidéo, ils cherchent pas grand-chose, finalement, ils ont peut-être pas envie de comprendre tout le fondement du tout, le problème de l'interaction, les forces fortes et tout ça, c'est, je pense, le commun des mortels, ils s'en foutent un peu de tout ça. Mais par contre, si ça concerne son bonheur, sa qualité de vie, avec des sols pollués, des herbes, un problème d'urbanisme, de chômage et tout,
le manque de moyens, de une crise vraiment mondiale. Bon, bah là, c'est là où il faut, en tant qu'humain, se mobiliser un petit peu sur ce qui se passe actuellement. Et donc, ce qui se passe, c'est une révolution un peu dans les sciences, dans partout, qui est nécessaire, dans nos consciences. Donc, un dépassement, pour appréhender, le siècle, sans être hanté en fait par le spectre des guerres et de l'extermination de l'homme par l'homme. En fait, bon voilà, la fin du monde, c'est la fin de l'humanité, une espèce de déchéance totale où les machines remplacent l'humain et où l'humain sert plus à rien, donc il est bon à acheter. Et donc en attendant, on fait du profit avec lui et on va le rendre malade et on fait du profit avec la maladie, on le met au chômage, on fait du profit avec la réinsertion, enfin voilà, on profite de la déchéance, de la décadence, de la déroute de la société, toujours pour gonfler pour s'emplir les poches, mais qui aurait donc du coup une force bien plus fondamentale qui là pourrait remplir vraiment les poches de tout le monde. Mais à l'infini, quoi, voilà. Quelque chose qui permettrait de nous faire sortir d'une crise systémique qui revient systématiquement, tant qu'on n'aura pas compris. Je crois que j'avais mis ça en présentation, hein, de quelqu'un que bon, je l'expérimente sur moi, hein. Moi, tant que j'ai pas compris le truc, je recommence la connerie, je recommence, et puis il y en a, je vais peut-être recommencer jusqu'à l'éternité, et puis voilà, je resterai un con, jusqu'à l'éternité, tant pis pour moi. Alors que l'humanité, c'est pas ce que je lui souhaite. Je lui dis, bon voilà, non, sois pas aussi conne que moi. L'humanité, essaye de te remettre vraiment en question, pour franchir ce gap là, de se dire, donc du coup, de comprendre l'espace-temps, donc de comprendre l'interaction dans toute chose, en fait, c'est, du coup, ne plus reproduire les erreurs du passé. Qui vont à l'encontre justement de son progrès, du progrès humain. Donc le collapse, ce serait ça, ce serait un effet, rebond peut-être. On arrive tout en bas, boum, on rebondit et on repart de plus belle. Et là, du coup, on va consommer plus parce que l'effet rebond, la base de l'effet rebond, c'est un peu un effet pervers où on améliore la technologie, où on réduit le on améliore les rendements et du coup on réduit le gaspillage, on réduit la consommation et du coup on consomme plus au final quand même, donc ça fait un rebond parce que comme on a des meilleures performances technologiques, donc du coup on fait plus d'usage. Donc le rebond, ce serait de dire, bah, si on franchit un saut dans les sciences, effectivement, là, tout ce qu'on consomme aujourd'hui en énergie et qui pose problème sur Terre, eh ben, peut-être que grâce à ce saut technologique, on va en consommer en fait 100 fois plus. Ah merde! Si c'est la consommation d'énergie qui pose problème avec le CO2, le réchauffement, donc 100, 1000 fois plus, parce qu'on aura beaucoup plus de puissance technologique, mais ce sera une consommation propre, on va dire, de l'énergie qui ne provient pas des fossiles, qui ne provient pas du charbon, ou alors si elle provient du fossile et du charbon, on arrivera complètement à la décarboner, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'impact, hein, sur le climat. Climat reste naturel, quoi, en fait, mais bon, ça faut pas trop l'anthropocène, je crois qu'elle est vraiment partie, mais en tout cas, les avions, par exemple, qui viennent pulvériser et essayer de changer le climat, ou alors le produit qui pulvérise, que ce soit plus du kérosène, que ce soit plus des produits toxiques, pour les humains, enfin, je sais pas trop ce qu'ils balancent dedans, mais voilà. Et donc, du coup, la Saint-Denis, elle sert à ça, c'est une science du risque, pour pallier au risque, hein, pour les prévenir, hein, prévenir que guérir, hein, la prophylaxie. Vaut mieux prévenir. Et que du coup, si on laisse justement s'exprimer, donc les sciences qui sont en crise actuellement, les sciences sociales, hein, le HESS, hein, donc, qui a été récupéré par un peu toute cette dérive wokiste, transhumaniste un peu bizarre, qui nous laisserait un peu une ouverture à tout et n'importe quoi, en fait, dans un esprit un petit peu, voilà, dichotomique, le bien, le mal. Alors qu'en fait, ce serait vraiment ce qu'on aurait besoin, c'est vraiment une autre mondialisation, en fait, un dépassement des institutions actuelles,
bon, qui ont été nécessaires pour mondialiser le commerce et l'information avec Internet, mais qui aujourd'hui nécessitent d'être dépassés par une méthode qui soit vraiment dans le sens du développement, puisque quand même tout le XXe siècle, il y avait cet esprit-là avec les pays en voie de développement, les pays développés, les pays sous-développés, bon voilà. Donc là, étant donné qu'il y a en plus toute une critique anticolonialiste de tout ce progrès du XXe siècle, de voir ça vraiment d'une manière généralisée, hein, un problème généralisé qui nous concerne tous dans les quatre coins de la planète, et du coup ainsi retrouver du sens un peu à tout ça, à l'humanité et à toutes les identités, au peuple en fait. Hein. En fait, au peuple, c'est ça qui nous manque, c'est les peuples de terre, en fait, qui sont persécutés depuis plusieurs siècles, même par cette machine capitaliste, marchande et industrielle. Et retrouver nos racines, finalement, notre radicalité d'être, hein, vraiment au niveau ontologique, au niveau métaphysique. Ce serait donc se retrouver notre humanité, c'est retrouver le sens des peuples. Hein. Donc par exemple, l'exemple de Sea Shepherd, pour être solidaire un petit peu avec sa cause, voilà, il y a une logique anthropologique. Si on prend l'exemple des baleines, parce que j'ai juste regardé un peu le début, puis j'ai pas continué, j'ai plus l'énergie, plus le temps de passer autant de temps sur Internet. Donc j'ai juste vu ce cas-là particulier où les Japonais n'hésitent pas à se moquer des lois internationales pour satisfaire leur besoin de baleines, quoi, de chair. Derrière, il y avait donc le peuple des Inuits, hein, du Grand Nord, il y en avait plein, des peuplades. Je sais que le Japon, il y en a deux, hein, qui étaient noirs, je crois, il y avait un peu la peau noire, mais les yeux bridés, qui arrivaient, donc qu'on peuplait le Japon, il y a très très longtemps, et c'était des peuples préhistoriques. Donc peut-être que c'est ce genre de symptômes, par exemple, qu'il y a là, génocidaire un peu sur la nature, ça serait un appel un petit peu de à quel point c'est important pour les Japonais, la baleine, le fait de manger de la baleine, parce qu'il faut voir aussi la puissance qu'il y a dans la nourriture, hein. Moi j'ai un peu peu de cuisine, et en sociologie ils nous demandaient la question du rapport symbolique à la nourriture, hein, pourquoi la culture elle est aussi importante au niveau de la nourriture, et qu'il y a des cuisines différentes complètement, et qui soient très très proches de l'identité du pays, quoi, hein, où tout le monde mange de la même manière, avec un petit peu, voilà, avec les mêmes goûts, les mêmes formes, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs. Donc comprendre les rapports de spatio-temporalité dans tout ça, et construire ce paradigme ensemble, tous ensemble, quoi, voilà, vraiment pour dire bon, ça y est, ok, on a compris, enfin on a compris, on voit où il faut aller en fait, c'est ça, c'est un des livres de Morin qu'il a écrit dans les années 2000, où vraiment il faut ouvrir une voie à l'humanité. Où elle soit vraiment persuadée, donc il nous faut un truc unanime, hein, on soit tous unis, que ce soit les Arabes, les Chinois, les Blancs, les Noirs, les Verts, même les extraterrestres, hein, qu'on soit tous unis en disant bon voilà, c'est ça la voie, c'est là qu'il faut aller, ok, on y va, puis après bon, on fait attention de ne pas faire n'importe quoi, et on utilise les sciences à bon escient, juste, et pas de façon un peu trop archaïque ou magique. Voilà, comme des apprentis sorciers, où les sciences, en fait, elles se retournent contre nous. Donc il y a un effet Frankenstein, hein, c'est souvent une métaphore que j'utilise pour expliquer la situation épistémologique de notre époque, quoi. Hein. C'est un concept que j'ai inventé un peu, l'effet Frankenstein, mais qu'on peut retrouver un peu à tous les niveaux, hein, même dans notre quotidien. par exemple, si on cherche à faire un petit peu des expériences sur son entourage, dans l'éducation, dans les relations, hein. Et puis on va faire un peu des sciences des pseudo-sciences sur les uns, sur les autres, et puis boum, il y a un retour où l'autre, en fait, il se transforme, hein. Ça devient animal, hein. On rentre dans les animalités humaines.
Voilà, et donc il se produit un peu la même chose avec la nature, la génétique, hein, par exemple, où on va mélanger les gènes. Là, j'ai vu, ils font des laboratoires là depuis la Macronie. Ça y est, ils ont lancé le truc. Et c'est effroyable, ça fait peur, hein, c'est vrai. Donc tous ces thèmes bioéthiques, il faut vraiment que la société civile puisse s'en emparer. Mais avant ça, il faut qu'elle comprenne les enjeux, effectivement, enfin en même temps, en parallèle, les enjeux des sciences actuellement. Donc le travail de la vulgarisation, elle est hyper importante pour qu'il y ait un vrai débat démocratique autour de la bioéthique et de la biodiversité, d'abord de la bioéthique, pardon, excusez-moi, et no, dont la biodiversité qui en fait partie justement, ce problème-là de la biodiversité, c'est le problème du transhumanisme, c'est le problème des pesticides, c'est le problème de la malbouffe, c'est le problème de... C'est tout le même problème en fait, c'est un problème d'éthique, hein, vraiment moral, du point de vue de notre rapport à la nature, à la culture, à l'esprit, au corps, et donc à l'État et au capitalisme, hein, les trois hypothèses de départ qui sont vraiment fondamentales pour toute la connaissance. Et comment on va s'organiser, comment aborder le problème de façon à ce que les choses elles s'améliorent, elles aillent dans le bon sens. Donc, comment faire? Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un peu plus de moyens et qu'on arrête de me prendre. Là, on m'a encore appelé ce matin pour se foutre de ma gueule, pour me prendre pour un con. Et déjà, c'est ça que j'ai besoin. C'est de sortir de cet état psychologique où on m'envoie des pics, hein, voilà, comme un taureau dans une arène. Donc arrêtez avec ça, en attendant que je crève, alors qu'en fait, c'est moi qui vais enterrer tout le monde, là, comme c'est parti, là, avec ma guérison. Donc le taureau, c'est genre, il va tous vous enterrer. Vu que... Donc voilà, non, mon but, c'est vraiment que c'est ça qui va me motiver. C'est que tout le monde, on y croit tous, hein, on va tous retrouver notre santé, on va comprendre mieux notre santé, alors peut-être pas aussi comme moi, tout réparer. Je veux pas vous faire des fausses promesses et des fausses joies et des trucs, quoi, machin. Mais vous dire que c'est possible, voilà, qu'il y a un truc à découvrir tous. Ça commence par notre propre corps, c'est dans notre tête, c'est dans notre, enfin au-dessus de notre crâne, dans notre esprit aussi. Et revoir un peu nos rapports humains de manière à sortir de cette illusion collective là où on s'est tous laissé emporter par la mondialisation de l'information vraiment où on se retrouve avec des millions d'utilisateurs de TikTok qui passent leur temps à scroller sur du divertissement en veux-tu en voilà. De l'info, de la... Hein. Mais la culture, vraiment, est-ce que c'est ça? La nature, vraiment, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'artificialisation à tous les points de vue, des consciences et tout, avec une intelligence artificielle qui est énergivore, le deep learning, qui consomme énormément d'énergie, qui est un peu stupide, un peu grossier, un peu maladroit, qui est menaçant, qui peut nous faire perdre tous nos boulots, enfin tous les gens qui travaillent dans les bureaux, tout ça, les journalistes, les avocats, les greffiers. Peuvent tous se retrouver au chômage à cause de cette intelligence artificielle. En même temps, elle nous déshumanise, on voit bien tout ça, ça crée de la haine, j'en ai parlé aussi dans les réseaux sociaux, le fait de nous donner des outils de censure, de délation, de contrôle, et je te bloque, et je te... Donc tout ça, faut pas s'étonner si derrière la démocratie, elle en a pris un coup, elle tombe dans le... Bon, dans une espèce de soumission à un ordre, bah forcément, c'est humain, c'est tellement humain tout ça. Donc c'est cette animalité, en fait non, c'est peut-être voilà, plus qu'humain, c'est enfin c'est animal. Et donc la démocratie, la culture, la civilisation, c'est cette faculté de dépasser ça, cette animalité justement, et donc de créer toutes les civilisations, elles se sont construites comme ça sur un dépassement du rituel un peu sauvage, primitif, un peu quelque chose de primitif dans la nature, et le fait de chercher à transcender, donc en créant des religions, des sciences, des technologies, hop, ça forme des civilisations, hein, donc voilà, comprendre cette spatio-temporalité dans la culture et la nature. Donc là, il faudrait que je continue un petit peu mon chantier aujourd'hui, bien même, mais je devais aller chercher du tabac, donc je sais pas ce que je vais faire. Mais vraiment vous montrer en plus l'évolution. En fait, ce que je voulais faire, c'était en travaillant, mais déjà je voulais faire ça dans le squat. C'est-à-dire que je suis sur des problèmes concrets qu'on peut tous faire chez nous, des travaux, donc comme des travaux dans la maison.
chose qu'on peut faire qui est à portée de main. Et en même temps, donc, de vous parler de ma guérison, donc pareil, c'est notre corps, hein, on est tous dans notre corps, donc c'est quelque chose qui nous concerne vraiment. Donc avec la maison oikos, c'est la maison, la racine étymologique du mot maison, écho, non, du mot écho, c'est oikos, et donc c'est la maison, et c'est aussi l'économie. Oikos nomos, c'est comment on nomme économie, quelle manière on va nommer notre habitat, notre maison, là où on se situe. C'est ça la racine étymologique du mot économie. Donc moi, je suis un radicaliste dans le sens où j'essaye vraiment de rester dans la racine. Et donc du coup, qu'on puisse aborder tous ces problèmes-là autour de la permaculture, la bioclimatique, cette fonction qui régénère le corps humain. Et donc, donc du coup, on pourra parler de la pédologie, hein, c'est la science, enfin moi, c'est pas vraiment mon domaine, mais plutôt les sols. Voilà, commençons, c'est l'intérieur du sol un petit peu. Donc on pourra parler de tout ce qui nous concerne. Et retrouver le goût, ce goût-là, parce qu'on a été coupé de la nature, hein, dans nos bulles artificielles. Donc ce monde artificiel et moderne, post-moderne, il nous coupe. Il nous coupe, il nous coupe, il nous coupe de la nature. Et notre rapport, il devient complètement faussé, complètement sauvage même, un peu. Donc toute la culture s'évapore parce qu'on est tellement coupé de la nature que quand on revient vers elle, on se retrouve en mode primitif, quoi, comme si on avait oublié toute la mémoire de l'humanité et tout ce qui s'était passé entre l'âge primitif et l'âge postmoderne. Tout ça, ça partait en fumée, alors que non, c'est tout ce qui fait de plus raffiné aujourd'hui, ça vient de là, c'est tout ce travail des anciens, hein, qu'ils ont fait sur l'histoire, hein, à travers l'histoire. Donc voilà, on reste sur une touche positive, une touche d'espoir, et puis c'est à moi de me battre pour me faire respecter un peu de mon entourage et des politiques, des scientifiques. Enfin voilà, le rendez-vous qui s'est mal passé avec le maire, il faut absolument que j'en tire une leçon à chaque fois. Et que je trouve d'autres méthodes, hein. Il faut que je change de méthode. Ça, voilà, ça fonctionne pas, donc il faut que j'essaie autre chose, ou alors je continue, mais de manière consciente, hein, en sachant ce que je fais. Voilà, d'où tous ces milliers de vidéos que je suis en train de réaliser, enfin peut-être pas tant que ça quand même, mais voilà. 23h09, à plus. En fait, je vois bien qu'il y a un décalage, hein, entre tout ce que je raconte dans mes vidéos et puis ce que je vis pour de vrai, quoi. Et puis comment ça se passe en fait depuis toutes ces années. Donc, je réécoute mes vidéos il y a 3 ans. Alors, en effet, on voit un gars honnête qui déballe tous ses arguments, mais enfin, honnête intellectuellement, qui déballe tous ses arguments. Mais là, 2024. Moi je suis encore là comme un couillon derrière YouTube à faire des vidéos à la con alors que je suis en train de dire là depuis 3 ans, 4 ans que j'ai guéri ma calvitie, je répare ma santé, donc c'est quoi ce délire en fait, et que les gens m'évitent et qu'on me prend pour un... Du coup moi ça me rend hyper maladroit, je suis hyper mal avec les gens parce que tout le monde m'évite, tout le monde me refoule. Alors de dire bon voilà, hein, on n'est pas de la même,
On n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Et moi, je fais quoi avec cette guérison, du coup, quoi? Tout le monde s'en tape. Donc, du coup, c'est la porte ouverte, après on se fout de ma gueule, on me rabaisse, on m'humilie, bah forcément. Dans ces conditions-là, le mec, il est tout seul comme ça depuis des années, il fait tout un travail sur Facebook. Depuis 12 ans, il dit qu'il a découvert une philosophie. 12 ans plus tard, il se rend compte que c'est la philosophie du tout. Tout le monde s'en tape. Bah, c'est peut-être pas pour rien, justement. Il y a peut-être un rapport de causalité. Donc, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Moi, là, il faut que je tape dans le Bobood, là, justement. Il a liké la vidéo que j'ai envoyée, hyper technique, sur le corps des nombres, le machin. De la fonction continue, comment l'ellipticienne, pas l'ellipticienne, enfin les trucs super techniques en mathématiques pour comprendre la physique quantique et tout ça. Et moi j'ai pas le niveau de toute façon, donc après je veux bien essayer de faire des vidéos, des trucs et tout, mais quoi, pour qu'on tire profit encore de mon travail et puis que je reste comme une merde derrière, je suis traité comme une merde, j'en ai un peu marre quoi en fait. De cette situation, quoi, en fait. J'en ai carrément marre, même, hein. J'en peux plus, quoi, en fait. Hein. C'est insupportable, hein, d'être traité comme ça par une société qui préfère aller s'abrutir des millions de vues sur des trucs à la con, hyper commercial, ou alors des rumeurs, des polémiques à deux balles, conspi, anti-conspi et tout. Moi, je suis en train de vous parler d'une nouvelle mathématique. Une nouvelle philosophie qui arrive à tout unifier et tout, c'est quand même autre chose, quoi. C'est autre chose que de savoir si le dernier livre de Raoult, il est vraiment en phase avec l'histoire des sciences ou pas. On s'en tape, en fait. On s'en tape de tout ça. Enfin, on s'en tape pas, mais il y a des niveaux de gravité et de hiérarchie dans les priorités, quoi. Hein. Donc, si la priorité là pour nous tous c'est de retrouver un petit peu une science plus adaptée aux défis du XXIe siècle qui s'annonce à nous là, qui s'impose à nous, si c'est une question d'une nouvelle, un nouveau paradigme pour la médecine, bon c'est pas rien quoi, merde, c'est pas rien tout ce que je vous raconte quoi. Donc j'en ai marre quoi en fait de cette ambiance là où genre je fais le philosophe, ouais bon ben personne ne me comprend alors je prends sur moi donc du coup ouais c'est pas grave, viens Tornade on va super bien, Rocky viens venez là et donc du coup on fait genre hein, en attendant que on va pas attendre que Étienne Klein, LCEA et tout ça, eux, c'est pas du tout dans leur intérêt d'écouter Julien Estrada, hein, de prendre en compte ce qu'il dit. Hein. C'est pas du tout dans leur intérêt, du tout, du tout. Voilà quoi, la honte pour eux, quoi, après, derrière, comment. Si c'est un mec comme moi qui refonde leur science à eux, vous imaginez pas l'humiliation pour eux, hein. Donc ils veulent pas du coup hein. Et puis les politiques c'est pareil avouer qu'ils m'ont persécuté, ils m'ont surveillé pour rien pendant toutes ces années, enfin de façon paranoïaque et du coup il y a eu des actifs, bon c'est la raison d'état quoi on va dire mais c'est pas ça, c'est que là c'est carrément une révolution voilà, les gens, si demain tous les gens qui ont des problèmes de santé, les chauves, hein, on peut leur dire qu'ils récupèrent pour tout récupérer, tout réparer. Bon, bah, moi, je sais pas, les gens, si on leur dit que c'est pas possible parce que du coup, le mec a découvert tout ça, on veut pas en entendre parler parce qu'il nous pompe l'air là, il est trop radical, il aime pas la société de consommation, tout ça, donc du coup, on va attendre que quelqu'un d'autre découvre. Le truc à sa place, bah, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Si je suis un philosophe qui arrive une fois tous les 3 siècles ou tous les 5 siècles ou pire, voilà.
moi, je n'ai pas le syndrome de Galilée et tout. Je prends du recul par rapport à mon travail. Je raisonne, je réfléchis avec vous dans les vidéos, quoi, en fait. Hein. Et je vous montre un peu en quoi consiste mon travail de réflexion, en fait. Comment j'articule les choses entre elles. Et donc là, j'explique ça très bien. Je dis, en fait, ce silence autour de mes recherches depuis 12 ans, c'est la preuve, ça s'explique par, jusqu'à aujourd'hui, ça s'explique par un conditionnement d'obéissance à un système qui, quand quelqu'un arrive et trouve l'antidote, hein, enfin, un déconditionnement, un autre une manière de se défaire de ce conditionnement pour aborder le problème sous un autre angle plus complexe, donc. Et bah, cette personne-là, elle passe inaperçue parce qu'on est tous conditionnés à rester sur le même axe de développement. En fait. Où ça passe par l'enrichissement, le salariat, les taxes, enfin les dividendes, le capitalisme lambda, quoi, en règle générale, comment il fonctionne. Et moi, du coup, ben voilà, j'arrive avec cette guérison en disant non, en fait, il y a un autre capitalisme derrière. C'est en fait le capitalisme, c'est un truc, un phénomène dans le réel qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas compris dans le corps, dans les maths, dans la philo. Et du coup, c'est ça qu'il faut comprendre pour dépasser notre civilisation, la faire rentrer dans une ère plus civilisée. Donc, ça veut dire. On reproduit pas les vieux schémas quand on dit que c'est plus civilisé qui sont bah, jugés qui manquent de civilité, donc ça veut dire tout ce qui se fait un peu de façon violente, barbare, sans voilà, est-ce que c'est plus de lois, plus d'institutions? Non, je pense que c'est dans les mœurs, surtout dans les manières de se comporter, quoi. Moi, je vois ça par exemple par rapport à comment on traite nos déchets, comment on traite nos animaux, comment on traite les concitoyens, comment on traite les pauvres, comment on traite. C'est ça qui permet de mesurer le niveau de civilisation d'une société. Donc, si elle n'est pas assez civilisée, bah, du coup, elle va mal traiter les faibles, les plus faibles, elle va pas avoir de morale, elle va être immorale ou amorale. Donc là, c'est une société qui n'est pas civilisée pour moi. Je suis désolé, acheter une bouteille de bière, jeter la bouteille vide dans un conteneur, péter la bouteille pour qu'elle aille à l'autre bout de l'Europe, qu'elle soit fondue à nouveau, refaite en bouteille pour revenir dans le magasin, pour l'histoire des pommes, là où on mange les pommes du Chili. Qu'on traversait l'Atlantique alors qu'on est dans une région où il y a plein de pommes au pied des pommiers qui servent à rien et qui sont gaspillées en plus. Voilà, genre d'exemple où en fait moi je vous mets tous un peu devant les contradictions du système pour essayer de comprendre comment je fais pour découvrir ces trucs inédits justement et qui sont là pour ces découvertes, elles sont là justement pour révéler les contradictions et c'est-à-dire les trucs qui fonctionnent pas ou mal, hein, qu'on a mal compris. Donc du coup, bah, moi comme j'ai personne qui me valide, qui m'aide, qui me soutient, bah, tout le monde se renvoie la balle. Et moi je suis comme un con, je suis en train de crever à petit feu là. Là je vois, j'ai plus du tout la pêche, malgré ma guérison en fait. Il se passe un truc vraiment badant quoi en fait. Badant, badant, badant. Un truc où je me sens ouais largué quoi. Largué total quoi. Il me fait comprendre vraiment que on s'en tape de mes trucs, hein, que c'est pas. Donc j'en ai marre. Aïe! Oh putain, j'ai des douleurs là. Je sais pas ce que j'ai, pourquoi j'ai ça. Parce que j'ai dormi de travers dans ma voiture, mais je me demande si c'est pas ma fin de guérison, justement, qui vient finir de guérir un truc dans le rein là. Aïe! Parce que c'est vraiment prononcé, c'est une douleur.
vraiment un endroit où justement c'est là où j'avais la colonne. Dans... Ah ouais, c'est dans le Rhin. Hein. J'ai l'impression qu'il essaye de me remonter un truc. Ah, ma fin de guérison. Donc de toute façon, mes cheveux. Voilà. Est-ce que c'est ça qui bloque justement? Parce que mes cheveux ils sont toujours pas sortis. Et que quand vous allez voir ma choucroute sur la tête et que vraiment j'aurai tout guéri, je vais avoir ici une grosse souffle de cheveux. Que peut-être là, à ce moment-là, effectivement, on pourra ouvrir le dialogue de façon constructive. Moi, c'est ce que j'espère. Hein. J'espère vraiment qu'on va y arriver. C'est pour ça, enfin, faut pas que je désespère du coup. Que je m'accroche. Que je dise c'est normal, t'es au bout de la ligne droite. Et du coup, c'est là où il faut surtout pas flancher, quoi, et franchir la ligne d'arrivée, quoi. T'es vraiment au bout de... Ouf, ça me lance. Limite, je boite, quoi. Ouais, mais c'est pas limite, ça me fait boiter même. Donc, ouais, j'en ai marre de cette schizophrénie, en fait, où moi, je suis persuadé d'avoir une philo puissante qui nécessite de monter une chaîne de télé, de s'investir à fond au niveau intellectuel, d'impliquer plein de gens dans l'affaire, des scientifiques, des artistes, etc. Et puis, ça, c'est mon trip. Et puis, dans la réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois un pauvre mec complètement largué, que tout le monde évite, quoi, en fait. Et que personne ne veut fréquenter. Une espèce de gâteau raté. Je suis dans les poubelles, un hein, Nike. Voilà, un truc Nike dans les poubelles. Nickel, une fringue de marque. Truc cher avec la capuche et tout, joli en plus. Hein. Tout joli Nike et tout dans la poubelle. C'est ça en fait, hein, c'est ça mon problème. Hein, c'est que moi je me mets dans le là où personne ne veut aller. J'ai miné ma sociologie, je l'ai mis dans les poubelles, je l'ai mis dans les. Et là où personne ne veut aller, justement en faisant des parallèles entre les toxicomanes, les chômeurs et puis la manière dont on traite les déchets, en essayant de trouver une synthèse entre tout ça, et ça c'est vraiment le truc qui pique, hein. Qu'on n'a pas envie d'entendre parler, quoi. Les déchets et puis les précaires, hein. C'est le truc dont on a un peu honte en fait. Hein. Voilà, ça pue, c'est pas. Hein. On ne veut pas trop mettre le nez dedans. Et moi, j'arrive avec un truc qui guérit tout, qui répare tout, qui permet de mieux comprendre les sciences et tout, les maths. Et je fais ça de manière, voilà, en venant dans les. En allant dans les poubelles, en montrant vraiment ce qui ne va pas dans ce monde. Donc ça peut être une explication aussi encore. Je sais pas, je cherche à comprendre quoi justement. J'essaie de rationaliser pour pas en faire une tragédie quoi. Essayer de trouver du sens à tout ça quoi. Donc ouais, je mobilise un peu ma connaissance pour pas perdre la raison quoi. Et me dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi justement ils veulent pas entendre la raison? Ils ne veulent pas entendre la raison. Bon, aïe, oh punaise. Bon, j'arrête, j'ai vraiment mal à la hanche. Allez.
Ok, freestyle guérison. Rien ne va plus, faites vos jeux parce que là, on est vraiment au bout. Je fais sortir les derniers là. C'est vraiment le haut de la crête en fait, la dernière partie où faut refaire. Donc ça passe par l'intérieur. Hein. Il y a tout un passage à l'intérieur hein, qui voilà, dure des kilomètres. Donc c'est pour ça que ça fait des semaines et des mois que ça dure la fin de guérison. Voire des années même, hein, que j'en parle déjà depuis. Bon, bref. Du coup, ça m'a vachement. Comme ça a duré très très longtemps, cette guérison, c'est énormément de travail qui m'a fallu. Enfin, un travail, c'est ce que je suis en train de faire là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que j'accompagne cette fonction de réparation dans son mouvement et en parallèle, comme ça, un axe depuis plus d'un an maintenant. En parallèle à. Ah, on entend craquer. C'est en mettant les doigts dans la bouche que j'actionne vraiment la guérison totale. On va dire. Hein, où vraiment les cheveux, ils peuvent sortir à partir du moment où j'interviens sur ma dentition. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on n'a jamais su guérir une calvitie jusqu'à maintenant, ni comprendre ce problème de calvitie. De même que ce problème de dentition qui, avec le temps, on a bien vu, on enlève systématiquement les dents de sagesse, il y a plein de problèmes au niveau des dentitions, le dos c'est pareil, je vous en parle pas. Donc voilà, 3 ans, il m'a fallu 3 ans. J'ai essayé à plusieurs reprises, je revenais sur Internet, j'arrêtais, j'y retournais. Bon, pareil avec les institutions, avec les médecins, j'allais voir un médecin, je lâchais l'affaire. Bon, c'est vrai que je lâche l'affaire rapidement, mais. Et donc, pour essayer de convaincre, en disant je suis vraiment en train de guérir, je vous promets, j'ai toutes les preuves philosophiques, mathématiques, j'ai tout plein de vidéos, j'ai des témoins. Voilà. J'accompagne en fait son équivalent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de une fonction de cheveux, de pousse de cheveux qui tourne, là, une espèce de spirale qui tourne là-haut. J'accompagne son équivalent dans la bouche pour qu'il refasse mes dents et de manière à ce que les cheveux y ressortent du coup, et refait mon cuir chevelu en parallèle. Voilà. Donc cette guérison, en fait, c'est pas compliqué. Je me dis si j'ai autant galérer toutes ces années, ces 3 dernières années, pour le faire comprendre, sans y parvenir en plus, faire comprendre de l'importance, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose en 2012 en fait. Donc moi, ça me guérit un peu de mon passé. Je vous montre comme ça, je vous montre hein, en même temps, je commence à faire un peu les vidéos de. Ils sont pas encore tout à fait là, mais moi j'avais l'intention de vous le montrer, mais comme ça, comme ils sont pas encore là, vous voyez vraiment que c'est ça qui fait guérir le truc. Voilà, je fais un plein de vidéos donc il faut vraiment que j'accompagne la guérison, je l'accompagne, et elle se fait là-haut, hein, du coup. Là, par exemple, en fait, les 4 dents qu'il y a là, devant, on a 4 spirales ici à cet endroit-là, qui tournent très très vite. Et elles sont, donc ça fait une perpendicularité, hein, c'est-à-dire qu'elles sont dans ce sens-là, les 4 spirales, et les 4 dents, elles sont, donc ça fait comme ça et comme ça, un effet perpendiculaire. Ah. Là, je les fais tourner, du coup, elles répartissent les cheveux. Ah, ça tourne, hein. Elles répartissent les cheveux, elles les envoient donc en haut, enfin, la suite de la chaîne, c'est une blockchain, hein. C'est une blockchain. Et ça, pareil, c'est une notion nouvelle en information. Donc qui arrive en même temps que cette guérison. Et du coup, clac, les dents, tac, 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 tac. Ça renforce les dents, ça leur envoie des nerfs, des réseaux sanguins. Ça reconstitue la mâchoire. Ça forme les gencives. Ça fait tout, quoi. Et ça fait les dents. Hein. Donc même les mailles, même. Elle l'a fait à l'intérieur, sous la gencive, elle travaille, elle fabrique la dent. Hein. Donc en tournant, donc nous on représente par exemple le cheveu, on représente par un bulbe, comme ça, un petit bulbe avec. Donc c'est carrément pas ça, quoi. Là, on est complètement à côté de la plaque.
Donc c'est pour ça que je vous dis des fois, parfois, que j'ai découvert un truc un peu comme à l'époque où on a découvert l'électricité, en fait. C'est un truc super dans la nature qui a toujours existé, mais vraiment très étrange qu'on n'arrivait pas du tout à expliquer. Et hop, on a réussi à faire des frigos, des machines à laver, etc. Et donc moi, ce serait un peu pareil. C'est un truc toujours. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu la chasse aux zététiciens en ce moment et aux redresseurs de tort de la raison. Parce que voilà, s'il y avait autant de magie, de mystère, déjà dans les anciennes civilisations. Les peuplades sauvages avec leur ésotérisme, leur polythéisme, tout ça, leur animisme, et qu'on retrouve dans la modernité en début de siècle par l'anthroposophie ou les choses comme ça, bon voilà, ne pas en faire une diabolisation, quoi, en fait. Que tout ça, c'est très humain et c'est même nécessaire, du coup, hein, pour accéder. À la connaissance. Donc du coup, là moi je me filme dans mon casote, un peu dans mon environnement, parce que où je fais pas du tout ce qu'il faut faire pour me mettre bien. J'ai intention, donc j'ai beaucoup de travaux à faire. Donc ici faire un bureau un peu, et puis il faut que je trouve un tableau là, un peu pour faire un tableau. Je vais poser mon téléphone en face du tableau, enfin ma caméra. Et qu'on travaille vraiment ensemble, que je puisse vous exposer, parce que de toute façon, j'en ai pas les moyens. Je peux pas fréquenter là, les milieux scientifiques, c'est la meilleure manière, c'est comme ça, en fait. Donc, du coup, j'ai fait une petite vidéo présentation un peu tout à l'heure, ouais, cette théorie que je vais vous exposer un petit peu à l'oral. Donc ce serait une théorie de la connaissance, et puis après, avec des exemples précis, avec des documents, vous exposer ma théorie des nombres, du coup, mathématiques vraiment fondamentales, et puis une théorie de la connaissance avec des exemples peut-être voilà, que je prends autour de moi dans le quotidien. Comme des petits chats, avec cette animalerie, je fais un peu d'éthologie, de comportement animal que je compare avec le comportement humain. Donc nous, on est des petits animaux, un peu, on n'est pas grand finalement, hein, par rapport à l'univers. Et on a besoin de quoi pour se protéger. Donc les animaux, ils font des terriers, ils font des trous immédiatement. Hein, voilà, les petits chiens, ils sont là, enfin, je vais les sortir parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je vais les sortir. Ils sont dans le frigo, ils sont dans la cave. Et du coup, nous, on retrouve ça aussi. Et donc là, j'ai mis, par exemple, ici, j'ai mis un mélange. Donc, je vous en ai parlé l'autre jour. J'ai fait une petite vidéo. Mais voilà, il faut que je reprenne le travail. Hein. Et il y a une espèce de guêpe toute bizarre qui squatte ici. Donc je teste au niveau des animaux, c'est pas, y a pas eu d'invasion du tout, hein, de fourmis, de quoi, de bêtes, de rats, de bestioles, c'est-à-dire utiliser vraiment les déchets de bois, voilà ça, les bois fragmentés, en isolant, en isolation. Je me demandais s'il fallait le mélanger à la chaux, mettre des produits dedans, une fuse ou quoi. Bon, après pour le feu, c'est autre chose. Pour le feu, oui, effectivement, s'il faut vraiment préserver du risque incendie. Mais en tout cas, en ce qui concerne les petites bestioles et tout, j'ai pas vu grand chose de plus que l'année d'avant. Il y a une petite fourmilière ici à l'entrée de ma porte, à l'entrée de mon casotte, mais voilà, ils sont pas, hein, ils font partie de la famille un peu. Et les petits chats, ils jouent avec, mais voilà. Donc, du coup, moi en fait, mes déchets, du coup, je sais pas trop quoi en faire. Parce que si j'ai pas de broyeur, et effectivement si j'avais un broyeur, ce serait vraiment, je serais encore plus autonome que la déchetterie. Elle est pas loin, elle est à 200 mètres, hein. Il suffit d'un coup de ZX et puis 2-3 caisses vides, et puis je ramène des déchets. Mais l'intérêt, en fait, c'est vraiment de trouver des méthodes où on puisse s'émanciper vraiment d'un mécanisme qui nous tire vers le. Parce que passer par la déchetterie, ça veut dire accepter tout ce gaspillage. Et toute cette incohérence socio-économique, quoi, éco dans le sens aussi écologie et écologique. C'est des nouveaux termes, un nouveau terme qui a émergé là, au début de siècle, mélange d'économie et d'écologie.
Et si on a ce regard-là, le système de déchetterie, alors d'accord, d'un côté, ils vont nous donner des déchets gratuits, d'une part, bon voilà, magie, c'est gratuit, parce que ça vient de tout. Donc après, les gens, pour amener à la déchetterie, ils prennent leur bagnole, souvent ils ont des petites remorques, donc ils mettent quoi? Ils mettent trois sacs d'adventices comme ça, de mauvaises herbes, de bouts de branches, et ils vont faire 10 km, 20 km jusqu'à la déchetterie, voire plus, hein. Donc déjà, ça c'est une aberration. Et puis après, bon, bah, tout ce qu'il y a dans la benne, hein, j'en ai parlé l'autre jour, hein, où on retrouve des produits payants dans la grande surface à côté, super cher en plus, avec des marges de ouf, qui viennent de Taïwan, enfin de l'autre bout de la planète. Les vêtements, voilà, tout ce qui concerne l'électroménager, c'est un carnage, hein, le traitement des déchets, hein, ça va pas du tout, du tout, du tout, hein. Donc moi, je suis là un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. On m'a criminalisé, normal, hein, on fait de moi un ennemi public numéro un, mais bon. Voilà, c'est la vérité, on ne peut rien contre, hein, la réalité des faits. Donc ces déchets de bois, du coup, les utiliser comme isolant, bon, sinon c'est du paillage, mais voilà, ils nous les donnent gratuitement, et à côté de ça, bon, c'est du vol, hein, organisé, hein, tout ce système de déchetterie, de déchets, d'obsolescence programmée, hein. Donc est-ce que la nature est comme ça? Non. C'est pas une escroquerie, la nature, au contraire, elle est généreuse, hein. C'est nous qui ça nous rend escrocs, parce que on abuse, hein, justement, de sa générosité. Donc voilà, moi je suis un peu, j'essaye de suivre la nature, je suis généreux, je donne tout, un peu ce que j'ai dans les tripes, mais après il faut que je m'occupe aussi de moi. Donc là il y a un pied de tomate, c'est Tomate, que j'ai fait une vidéo sur lui, je le laisse un peu vivre sa vie, justement, je l'arrose pas, rien, je l'ai mis à côté du canal, pas loin. Bon voilà, l'algèbre quantique, le problème de ouais, c'est l'algèbre de Hopf, quoi, les groupes quantiques, ce qu'on appelle les groupes quantiques, hein, donc ça, c'est la géométrie non commutative. Apparemment, c'est ça, c'est dans ce domaine-là que je peux vraiment. Bon, après, il y a plein d'autres, voilà, il y a des centaines de formules d'auteurs à traiter, mais je suis parti un peu de là, d'Alain Cohn, hein, le discours d'Alain Cohn, de voir que depuis 2000, donc c'est cette conférence de 2000, il y en a des très récentes encore, où en fait il tient toujours le même discours, hein, c'est-à-dire qu'il faut réussir à mesurer le spectre électromagnétique, hein, de façon vraiment unifiée et sans trou, hein, sans perte d'information, parce que là on a la renormalisation, pour ceux qui connaissent un peu, et qui est pas assez performante, justement. Il y a dans le nombre sans dimension, des théories qui sont les problèmes de Hilbert, hein, qui sont toujours pas résolus. Donc même avec Perelman, justement, il refuse le prix, enfin le parce que justement, même lui-même, il voit bien que ça va pas, on n'a pas le bon paradigme. Donc essayez de voir, moi je voulais vous présenter un peu mon casier, ce que je fais, parce que pour me motiver, pour que je m'y mette, pas vraiment. Ça, c'est en train de se dégager, c'est une belle journée qui s'annonce. Donc faut que je coupe du bois à fond pour l'hiver. Et puis du coup, bah, isoler, boucher les trous, parce que ça sert à rien de chauffer une maison qui est pleine de. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça fait du gaspillage, ça chauffe mal, et puis ça, il faut plus de bois. Donc mettre ces déchets là ici, et donc il faut que je mette le tissu avant. Étanche, et puis il faut que je refasse mon toit, donc voilà le projet. Ça, c'était, il y avait la caravane au début ici, et je l'ai enlevé dans l'hiver dernier, je l'ai mis là-bas au fond, je voulais la retaper aussi. Donc là, il y a beaucoup de boulot, et voilà, quoi. Et du coup, montrer que ça, c'est des portes, hein, c'est juste des portes récupérées, elles étaient intactes quasiment, hein, des portes à fabriqué, quoi. Il y en a une là qui est en verticale, je les ai mis à la verticale avec des chevrons plantés dans le sol, et puis en fait c'est la structure, c'est la charpente qui tient un peu le tout, hein. Ça, c'est super costaud, hein, il n'y a pas de souci.
Donc j'ai fait ça, je ne l'ai pas isolé, je l'ai laissé comme ça tout l'été, un peu en attendant que les gens se manifestent en fait, et qu'on me dise, mais oui Julien, là tu es en train de nous trouver les solutions qu'il nous faut pour l'économie d'énergie dans le bâtiment. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là je vais vous faire le chantier, donc je vais essayer d'utiliser un peu ma caméra, en vous expliquant. Ma motivation, pourquoi j'ai tenu justement à passer par la récup, par le problème des déchets, des poubelles et tout ça, parce que je voulais que ma philosophie, elle ait vraiment une importance aussi au niveau des problèmes, pas simplement des problèmes au niveau logique et mathématique, mais aussi au niveau de notre organisation sociale. Qu'est-ce qui pose problème vraiment aujourd'hui, quoi? Pourquoi ça va mal? Et comment sortir de cette affaire? Donc retrouver notre animalité, donc utiliser la terre, j'ai du mal, hein, j'y arrive pas, ça pète, je recommence l'année d'après, ça repète à nouveau, je fais des mélanges, ça tient pas, je suis pas très doué, hein, comme dans ma philo, mes maths, je suis pas non plus. Donc c'est pour ça que je veux pas faire qu'on fasse un culte de ma personne en disant waouh, le nouveau héros des temps modernes. Non, moi je suis assez médiocre sur plein de trucs. Regardez la gueule de mon composteur. Donc, alors que je sais, hein, il faut le mélanger et tout ça, mais c'est de la négligence du fait d'une logique, hein, une logique sociale. À partir du moment où moi je suis criminalisé, diabolisé, je suis à la place d'un taureau dans une arène, bah forcément le taureau il fait pas le malin quand il peut pas montrer toute sa beauté, toute sa puissance de taureau. Bon, je suis Gémeaux, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais toute la puissance de. Donc c'est le thème un peu du surhomme, un peu. Peut-être là, on va faire une deuxième partie de vidéo où je voulais aborder un peu cette théorie de la connaissance, hein, du coup, qu'il va falloir que je mette sur. Que je réalise. Je vous montre un peu là le bois qu'il va falloir que je sorte de ces. C'est du sénesson, ça, c'est une plante invasive qui est arrivée là, dans la région et qui tient bien vraiment et qui repousse là à l'automne. Donc il faut que j'enlève le sénesson et donc en même temps je vous parle de la théorie de la connaissance. Que je suis apparemment je vais être obligé d'édifier, on va dire, en même temps que ma théorie des nombres. Il va falloir faire un double travail, à la fois très logique et mathématique et rigoureux, et en même temps métaphysique, très, très holiste, très globaliste. Donc d'aller à la fois énormément dans le détail. Donc qu'est-ce qu'un nombre? Qu'est-ce qu'une quantité? Qu'est-ce que le sens? Donc vraiment la théorie du langage. Et puis après, tout un discours cohérent qui puisse se généraliser à toute la connaissance. Donc, le surhomme, le surhomme, c'est quoi? Donc déjà, il y a la grande santé, c'est un concept de Nietzsche aussi. L'élan vital de Bergson. Des concepts qui sont. Qui pose justement la question dont Bergson travaillait sur la mémoire, hein, sur l'effet du temps sur l'espace, vraiment, il cherchait vraiment ce qui posait problème, parce que c'était un très bon mathématicien, il connaissait très bien le champ scientifique, Bergson, donc qui pouvait régler le problème de la mesure, donc la durée, il a travaillé là-dessus, la mémoire, la durée, et du coup. Voilà, il y a un phénomène moteur dans le temps qu'il avait pas compris, qu'il fallait comprendre du coup. Et nous, on va essayer en fait de le fonder un peu sur cette axiomatique sur ses découvertes. Donc en fait, cette guérison, elle révèle une fonction à quatre étages qui est capable de régénérer tout le corps, d'être partout présente. Et à la fois qui est localisé vraiment à un endroit très très précis, d'une précision telle qu'on ne peut même pas l'observer.
Donc, et elle suit une logique qui est vraiment propre à elle-même. Hein. Donc partir de là en disant que voilà le surhomme, le mythe, ce mythe-là, il est déjà dans la nature, il est déjà là de toute éternité, c'est la force vitale en fait. Hein. Donc c'est ce que je découvre, hein, qui répare tout le corps. On a une force animale, hein, et plus qu'animal, c'est animus dans le sens un atome, hein, c'est un petit animal. On appelait ça d'ailleurs les petites particules, hein, on les surnommait de cette façon. Et donc, il y a un croisement en fait dans la connaissance humaine qui se fait entre des grands domaines de la pensée et de l'appréhension du monde, quoi, du réel, dans notre rapport à la réalité. Un vecteur, enfin une série de vecteurs. Qui nous oriente quoi qu'il arrive. Et donc on aurait une dimension, donc une dimension proche de la nature des choses, un côté très dur où on cherche à comprendre vraiment la nature dans son aspect le plus vrai, le plus réel. Donc une rigueur, il y a quelque chose comme ça en nous qui nous pousse à aller vers la machine, vers l'intelligence, vers l'évolution, donc tout l'aspect scientifique. Après, on a un rapport qui est plus à l'observation, plutôt, où là, on se détache du monde et on prend du recul, et on est plus dans une logique de jugement, de raisonnement, et pas simplement où il faut absolument percer le réel, mais simplement l'observer et l'analyser et essayer de le comprendre. Donc là, on est plus dans la philosophie. Donc elle pense l'espace-temps, la philosophie, alors que la science cherche à le mesurer. Et donc du coup, le religieux, lui, il est dans les tumultes de tout ça, et il construit une foi. En l'espace-temps, donc c'est la croyance en l'espace-temps pour donner une cohérence à toutes ces dichotomies qu'il peut y avoir dans les sciences ou la philosophie. Hein, dès qu'on se met à penser, on se met à mesurer les choses, on se confronte tout de suite à des contradictions, à des problèmes dans tous les sens. Et la religion, elle nous sert justement à unifier un peu tout ça, quoi qu'il arrive, même si c'est pas compréhensible, si c'est pas très rationnel. La fonction religieuse, ce serait donc de la croyance en l'espace et au temps. Donc là, j'essaye un petit peu vraiment de fonder un socle commun un peu comme une grosse éolienne de 300 mètres de haut, mais sans le produit des géobiologistes. Vraiment un truc concret et réaliste pour fonder la connaissance. Donc c'est la connaissance de l'espace-temps. Donc j'ai traité aussi cette question de la représentation dans la vidéo avec tomates. Sur tomates, on va retourner vers les tomates. Donc il y a une connaissance de l'espace-temps, ok, on est d'accord, qui inclut donc tout ce qui mesure l'espace-temps. On va vouloir mesurer la tomate, donc là on fait appel aux sciences. On va vouloir penser la tomate, c'est-à-dire que notre relation à la nourriture, à la nature, est-ce que c'est une bonne tomate, une mauvaise tomate, est-ce qu'il fallait la mettre là, au soleil ou quoi, tout ce qui, où il faut actionner la pensée. Donc là, on a une philosophie de l'espace-temps, donc une pense l'espace-temps. La croyance, donc là, on est là, on espère. Elle n'arrive pas à prendre de la couleur et du goût parce qu'on est au mois d'octobre, mais on croit en Dieu quand même en se disant il va y avoir encore suffisamment de soleil pour que j'aie ma dernière petite tomate. On va se dire, bon bah avec les graines, je vais pouvoir peut-être faire plus de tomates l'année prochaine. Donc du coup, donc on a toute une foi, la foi en la tomate. Parce que la tomate, c'est aussi symbole un peu de la timidité. C'est un peu ce qui m'arrive aussi, parce que je sais plus comment m'y prendre là. Et puis l'art, la représentation. Donc là, on en revient à la vidéo de tomate. Le jeu de mots avec les mathématiques sur les groupes quantiques, donc ce problème de représentation où moi je posais la question, la cause de la représentation. Donc l'art, il représente l'espace-temps dans le sens, bon voilà, on va prendre une photo de la tomate, on va la peindre, on va la mettre en musique.
Voilà, sur une scène de théâtre, hein, je vais m'habiller en tomate et puis je vais me mettre en boule. L'art, il est là pour ça, pour représenter l'espace-temps. Et donc, il y aura une cause fondamentale à tout ça, hein, donc la connaissance de l'espace-temps. Et donc là, dans les vidéos que j'ai faites sur la route, là, que j'ai fait pour moi un petit peu, je creuse la question du droit fondamental que je croise avec avec l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique dans tout ça, où la situer, le droit, où situer dans parmi les sciences, est-ce qu'on peut dire que le droit est une science? La philosophie, l'art, bon, le droit, c'est un peu tout, hein, ça, en même temps. Donc c'est là où bon toute la tout pourquoi je reviens souvent sur les problèmes de bioéthique hein, quand je m'adresse à YouTube parce que je me rends compte que là je m'adresse à l'universel à toute la planète aux Américains enfin bon voilà et que en fait si j'ai un message d'alerte pour le aujourd'hui c'est vrai qu'à donner ce serait vraiment comment dans les institutions réussir à trouver affronter toutes ces crises systémiques de tous les côtés liées à une surpuissance de de la technologie et donc tous ces risques de dérive que ça entraîne notamment écologique avec la surconsommation quoi. Donc vraiment qu'on prenne ça au sérieux dans la connaissance, dans les universités et du coup que de mettre fin à une dérive qui est actuellement au sein du monde universitaire hein, qui est en crise, hein, là il n'y a pas photo. Hein. Qu'on puisse tous y réfléchir, qu'on puisse agir en même temps quand dans notre jardin, quand on plante une tomate, qu'on puisse réfléchir à tout ça, méditer là-dessus. Et puis après pour se projeter dans l'avenir, parce que j'ai abordé ce problème-là aussi, de se dire que bon l'évolution humaine, en fait, elle est darwiniste, mais pas simplement. Il y a un truc plus fort qui nous surdétermine, qui détermine tout, la nature, tout, et les machines également. Et qu'on a un destin commun. Et du coup, ce destin, il a une source, il a une nature multiple, en fait, mais fondamentale. Donc ce destin, c'est la connaissance de l'espace-temps, mais ça n'a aucun sens en soi, parce que peu importe l'époque et l'endroit où on se situe, c'est toujours la même règle, donc du coup ça n'a plus aucun sens. Et dès qu'on y met la philosophie, les sciences, l'art, la religion, et là on humanise, y a un édifice qui se met en place, y a un début de civilisation qui se crée, donc c'est la gnose, hein. Et la genèse, hein, c'est toute l'humanité. Tiens, il y a une petite abeille. À cette époque de l'année, c'est rare. Non, c'est une mouche. Donc voilà. Non, c'est une abeille. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Donc, du coup, je reste sur mon canal parce que c'est, j'utilise ça. Je voulais mettre une pompe avec un petit panneau solaire ou pas, enfin, ou relié à ma station solaire, une petite pompe de relevage pour ramener de l'eau jusqu'au cazote dans une cuve et tout. Et puis en fait, je trouve ça tellement sympa de faire ma vaisselle. Donc je fais ma vaisselle là-dedans, dans un petit canal qui coule un peu en permanence. Et du coup, c'est super sympa de faire ça. Et puis l'eau, elle coule par nature, quoi. Donc il n'y a pas de, on n'a pas besoin d'ouvrir un robinet ou quoi. Et finalement, c'est de retrouver ces petits gestes-là un petit peu proches de la nature tout simple qui sont dans nos gènes, c'est-à-dire qu'on on a vécu comme ça, l'homme seul parmi la nature sans technologie ou vraiment très peu de façon primitive, on a vécu tellement de millénaires et de voire donc de millions d'années, de milliers d'années en tout cas, que du coup le fait de se couper brutalement et de passer de ça, d'aller chercher de l'eau avec un seau dans une rivière, aller couper du bois à la main, faire du pain à la main, on essaye tellement de s'émanciper de ça, que du coup on se déracine, on se coupe,
et on fait de l'avenir de l'humanité une espèce de monstre difforme qui a pas de, qui a plus de, qui est plus du tout connecté à son origine. Et donc ce rapport à l'origine, tout ça, ça va jusque dans les mathématiques, quoi, et donc la connaissance. Donc voilà, j'essaye de vous donner envie avec mon petit terrain, là, mon petit casote, à tout le monde un petit peu de se reconnecter, de se dire, ah bah ouais, c'est vrai que ce monde moderne, finalement, ok, il nous a appris, il nous a amené Internet, et ça c'est une grande joie, et plein d'autres choses positives. Mais derrière, c'est pas ça la vraie voie. La voie de l'humanité, elle doit rester absolument connectée à son origine. Sinon, bon là voilà, on n'est plus dans l'humain, on est dans l'inhumain, dans un espèce de truc qui informe, qui ressemble à rien. Donc comprendre le. Du coup, voilà, comprendre les mathématiques. Là, ce qu'on va essayer de faire, du coup, d'orienter le vidéo. Pour moi, je ne sais pas si je le diffuse ou pas, on verra, mais en tout cas, orienter théorie de la connaissance à construire pour la publier, hein, voilà, sous forme d'un livre et d'une méthode, hein, on va dire plutôt, on va parler de méthode, et du coup, en parallèle, une thèse sur les fondements du nombre, de l'algèbre. De l'espace vectoriel, de la physique, des mathématiques nécessaires à la physique du XXIe siècle, hein, vraiment. Du lourd. Quand je dis du lourd, en fait, on va finir là-dessus parce qu'il faut que je me mette au travail, vraiment. Quand je dis du lourd, il faut que j'envoie du lourd chez moi aussi, puis c'est une super journée qui s'annonce. Donc, envoyer du lourd à tous les niveaux, tous les points de vue. Donc ce casote-là, voilà, c'est de la désobéissance civile volontaire, par action non violente, je persiste, je signe, et je publie sur Facebook en attendant de me faire censurer d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien me dire, non, non, monsieur, vous faites la promotion de la... Alors que nous, on a mis en place une loi anti-gamanisation, la loi Loppsi, tout ça, et vous faites la promotion de la cabane. Donc je peux avoir des problèmes de justice, donc je le fais exprès, vraiment volontairement. C'est ça le principe de la désobéissance par action non violente. À visage découvert, donc plus qu'à visage découvert, parce que je fais des petits films où je montre vraiment, voilà, s'il y avait un composteur, un broyeur dans chaque commune, hein, sous forme de Kuma que tout le monde peut utiliser, donc déjà les déchetteries, ça éviterait de faire des gros, les gens fassent des kilomètres comme ça pour aller à la déchetterie avec leur voiture, ce qui n'a aucun sens au niveau écologique. Du coup, ça deviendrait une ressource. Là, on nous le donne gratuitement, mais en fait, il y a une telle ressource dans ce bois fragmenté que ça peut rapporter au niveau économique énormément d'argent, à tous les niveaux, enfin énormément d'argent. On va dire que c'est une vraie valeur, il y a une vraie valeur marchande dans ce truc-là. Que ce soit pour faire des panneaux isolants, pour faire du carburant, hein, ça fait des copeaux de bois pour des chaudières, pour des petites poêles à roquettes comme le mien, pour isoler, pour faire du torchis, pour quoi que ce soit, ou amender la terre. Faire du paillage. Voilà, tout ça, c'est une économie en germe, hein, qui pourrait être exploitée. Merci Rocky de mettre en valeur le truc. Et donc, du coup, c'est ça. Il faut vraiment que moi, j'essaye de, grâce à cette guérison, à toutes les preuves que j'apporte, j'y crois d'autant plus à toute ma philo. Et du coup, je vous invite tous à aller, pas forcément dans ce sens-là, mais en tout cas, trouver les bons. Quand on a un sentiment de malaise, quand on va dans une grande surface ou dans un grand magasin de bricolage ou quoi, ce sentiment de malaise, de lui trouver une origine et un sens logique, hein, hein, où on puisse se dire, mais oui, effectivement, si je me sens aussi un peu déprimé, un peu mal dans ma vie et puis en conflit avec les autres aussi, hein, où on n'arrive plus à s'entendre, où on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à s'aimer. Ça viendrait justement de cette espèce de non-sens, hein, qu'il y a dans cette société marchande, hyper marchandisée, où, bon, voilà, on va pas parler de la condition animale, voilà, dans les pâturages, bon, après. Donc, tous ces. Où, bon, voilà, l'automobile, l'emprise de l'automobile sur l'espace public. Donc, tous ces problèmes-là liés à la modernité, qu'on arrive à les traiter vraiment de façon globale, jusque dans les fondements maths, jusque dans notre rapport au monde, dans notre tête en fait, jusque dans notre propre corps, au-dessus de notre tête, il y a une fonction qui répare tout le corps.
Voilà, je fais de la pub pour l'avenir en fait, hein. Je fais de la pub pour l'espoir. Et puis voilà. Sur quoi on termine? Le sens du temps nous dira, hein, que de toute façon nous dira si. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, la seule confiance dans laquelle on peut avoir, donc pas forcément ce que je dis, hein, surtout pas, mais faire confiance au temps, d'en faire un ami plutôt qu'un ennemi. Et là, on lutte contre le temps, la météo par exemple, bon, c'est un côté ridicule, hein. C'est comme si on voulait lutter contre Dieu, quoi, un peu, donc c'est stupide. Ce sera lui qui aura le dernier mot, c'est lui le plus fort. Donc se soumettre un petit peu par nature à une force universelle qui commande tout l'univers. Et du coup se dire, bon bah ouais, effectivement, là notre responsabilité d'humain moderne, c'est de pas retomber, tirer profit du passé, pas retomber dans les pièges de la démagogie, de l'idéologie, pour appréhender l'avenir de façon rationnelle suffisamment pour pas faire péter la planète et qu'on puisse tous un jour avoir tous le droit à l'espace et au temps, c'est-à-dire d'aller là où on veut dans l'univers. Hein. Voilà, hein, soyons pas, ne nous mettons pas de limites, hein, soyons ambitieux. Hein. Voilà. Et après, comment ça va se passer? Ben, tout est là, hein, justement. Donc on arrête sur Tornade qui a envie de jouer au bâton. Enregistrement, Freestyle TV, il y a des canettes de bière qui traînent de partout. Enfin non, j'en bois une par jour, hein, pas plus. Hein. En ce moment, je retombe un peu dans l'alcool parce que quand on n'a plus de sous, on déprime et tout. Du coup, on préfère boire plutôt que la psychologie de l'alcoolique et du précaire et de l'occidental lambda là, qui se retrouve piégé par le système. Et donc du coup, nous on préfère la défonce, on préfère la décadence, dans le sens où on se laisse aller et on cherche plus à se battre, hein, parce qu'il n'y a pas photo quoi. Moi, tout ce que je démontre depuis toutes ces vidéos là, de toute cette diffusion sur YouTube, c'est vraiment une contestation profonde, fondée donc du coup, de cette société. Spectaculaire qui nous divertit, qui nous vend du rêve à tous les niveaux là. Des jeux vidéo, des cadeaux à gagner, des voyages, tout ça, tout ça. Et puis bon, la réalité, hein, on se retrouve avec des polémiques là. Qu'est-ce que j'ai vu? Enthoven qui est interpellé par sur Twitter, tout ça, par des gars qui sont pas philosophes en plus, hein, donc c'est la confusion en ce moment. Je l'avais prédit ça, de toute façon, hein, toute science est prédictive.
Donc, je vous le disais, toutes ces années, je me filme parce que j'y arrive, hein, je vais y arriver. Et en fait, du coup, c'est vraiment pour vivre cette guérison. En fait, quelque part, j'ai vu à quel point c'était long, hein, ça prenait du temps. Et c'est devenu quelque chose, là où ça devait être un événement assez bref. Oh, une guérison de calvitie, et puis hop, on continue et on repart sur un autre truc. En fait, ça s'est tellement étalé dans le temps, avec un parfum de scandale un peu sur sa peau. Il y a des parfums de scandale, ouais, voilà. Et donc, du coup, essayer de voir vraiment plutôt un truc comme une transition un peu linéaire, mais avec une progression très, très, assez lente comme ça, mais impérissable, quoi. On peut rien faire contre cette évolution de guérison. Et du coup, bon, moi, je suis le premier concerné parce que c'est dans mon corps, mais j'en ai fait une espèce de généralité où ça concerne vraiment toute l'humanité, hein, puisqu'il est question de réparer la santé, tout ça, guérir la calvitie, les cheveux blancs, tout. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, j'essaie d'en faire un événement un peu en longueur, du coup, avec cette chaîne, de façon très sauvage, un peu animale, puisque j'essaie de disserter sur ce problème-là entre la nature, la culture, l'animalité, la part animale de l'humain et son humanité. Je prends une pomme, je la jette. Donc voilà, hein, les pommes du Chili. De l'autre bout de la France qui viennent ici, puis ici il y en a des elles sont comestibles, hein, elles sont bonnes, hein. Bon, il n'y a pas de récolte parce qu'apparemment, bref, ne nous dispersons pas. Donc, du coup, nul n'est censé, en fait, dans les droits de l'homme, on ne doit pas être ennuyé par rapport à ses opinions. Bon, c'est ça qui pose problème aux Chinois, justement, hein, ou aux Russes, hein, où ils mettent une censure. Hein, vraiment au niveau de l'opinion, mais bon, on ne doit pas être ennuyé pour ses opinions religieuses, politiques. Par contre, il faut, nul n'est censé ignorer la loi, donc il faut rester dans le cadre de la loi. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui est anarchiste, qui refuse l'État, qui refuse le capitalisme, certes, on ne va pas t'embêter pour tes idées. Théoriquement, hein, on dit bien, parce que voilà, mais à partir du moment où tu ne respectes pas la loi, tu veux pas te soumettre au cadre qui est imposé par les institutions, bon bah là tu tombes sous le coup de la loi. Et donc voilà, donc essayer de faire la part des choses entre moi, mes droits fondamentaux en tant qu'humain, où je suis libre de mes idées et de mes pensées, et que si je veux faire un gros fuck off à tout système, excusez-moi, dit vulgairement, mais voilà, c'est mon droit fondamentale au niveau de mes opinions. Après, à partir du moment où je commets des crimes, des délits, bon, là, voilà. Et quand je fais de la désobéissance volontaire, vraiment, c'est voulu, c'est décidé, c'est réfléchi, où je dis, bon, je vais ouvrir un squat, dans telle et telle optique politique, hein, vraiment, c'est une décision politique, où on cherche à confronter le droit, la loi, la société. Avec, bon, par rapport, bon, pour squat, c'est le problème du logement. Ou quand on va, voilà, recouvrir un panneau de publicité. Donc voilà. Donc ça, c'est toute la partie un peu, bon, humaniste. Là, c'est de la littérature. Hein, mais c'est infini, remarque les maths aussi. Et puis après, voilà, il y a toute la partie vraiment logique, philosophique, dur, dans la connaissance, où là, c'est un vrai travail. Donc là, on sort de l'aspect homo démence, quoi. Donc tout le côté irrationnel qu'il peut y avoir chez moi, qu'il y a en chacun de nous, voilà, qu'il faut commencer par reconnaître. Et puis après, mes motivations, donc bon, quand je fais de la désobéissance, et puis après, ma motivation vraiment. In fine, intellectuel en fait. Vraiment, je m'adresse à l'intelligence humaine dans ma démarche. Donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos comme ça, très. Donc un coup, bon,
Là, je peux me mettre comme ça, quoi. Comme ça, je vous montre un peu ma petite promenade avec mes chiens. Et en fait, le fait d'utiliser mon image, c'est juste, je vois bien que j'ai pas le choix de toute façon avec cette guérison, qu'il faut que je mette mon image, je suis obligé de mettre ma gueule pour montrer cette guérison. Donc du coup, et puis pour expliquer tout ça, donc de toute façon, je suis forcément obligé de me confronter au grand public par rapport à tout ce que je véhicule dans mes recherches et mes découvertes. Mais par contre, je suis pas obligé, je pense que c'est un droit, il y a des droits à l'image, il y a des choses comme ça, ou de faire un culte avec ma personne et de tomber dans le piège du végétariat justement, ou le piège du multimédia, quoi, où on se retrouve personnifié et marchandisé, donc des fois souvent. Mais donc là, c'est quelque chose de très important pour toute la connaissance. Et reconnaître donc justement le travail d'un intellectuel, savoir ce que c'est en fait, ce que le travail intellectuel, à quoi ça correspond, et du coup jusqu'où ça peut tous nous mener. Donc là, mon travail intellectuel, il consiste là dans un premier temps. Il va s'agir de convaincre donc à la fois en même temps la communauté scientifique et donc qui comprennent bien le lien entre cette découverte dans les idées, dans la pensée en 2012, cette découverte physiologique qui est vraiment révolutionnaire pour les sciences, pour la médecine. Et puis du coup faire ce lien avec les mathématiques, la physique, l'épistémologie. Donc du coup, à partir du moment où on se dit bon d'accord, ok, 2024, il y a une crise mondiale à tous les points de vue, et c'est en France où émerge une espèce de philosophie du tout qui va nous sortir un petit peu de cette, on va dire, cette multipolarité qui s'est installée sur le monde, et qui divise les peuples, les nations, les individus, qui nous divise cette période de trouble hein, dans la connaissance. Et du coup, bon, c'est le travail également, donc après il y a les politiques aussi, hein, qui doivent du coup enclencher le pas et se dire, bon, bah effectivement, là, ça y est, la transition a commencé. Et c'est une transition qui est beaucoup plus qu'une transition écologique ou économique. Il s'agit vraiment d'une civilisation nouvelle qui apparaît. C'est donc, pour résumer en gros, ça va être l'ère du quantique, de l'internet quantique et de la conquête des étoiles hein, qui va débuter. Donc on pourra vivre à l'extérieur de la Terre en fait, hein. Voilà, simplement, hein, c'est ça, cette nouvelle ère qui arrive après Internet. Et Odyssée de l'espace, 2001 Odyssée de l'espace. En fait, ça nous a fait un 2001 World Trade Center. Voilà. Pour l'Odyssée de l'espace, on repassera 20 ans plus tard, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, c'est aussi du coup la conquête des étoiles, hein. C'est comprendre du coup le climat, le temps, et la Terre, et se reconnecter du coup, comprendre à nouveau pour pouvoir conquérir donc là on est devant un champ de luzerne hein, qui est cultivé par un agriculteur, donc il plante la luzerne, il retourne la terre avant, il la plante, il récolte deux trois fois dans l'été. Et donc du coup de comprendre en fait notre passé, comment on en est arrivé là, à cultiver, à faire des champs de culture, faire le lien avec ce champ de Higgs, ce champ de particules, et comprendre que pour partir, pour conquérir, donc vraiment s'arracher, où la luzerne s'arrache du sol et se transforme en fusée, et la luzerne, elle devient un véhicule spatio-temporel, comment on peut arriver à faire cet exploit? De transformer la nature en une machine hyper performante qui peut perforer le réel comme ça. Qu'est-ce qui se cache dans la nature? Et ça, c'est ça notre défi.
Et du coup, on pourra régler tous les problèmes de l'agriculture, de l'économie, justement, de l'urbanisme, les problèmes d'économie d'énergie, tout ça, on pourra l'aborder d'une façon cohérente, unifiée, unanime, bon, dans ses grandes parties. Après, hein, il reste toujours il va rester toujours des conflits de position, ça c'est obligé. Mais à partir du moment où on a un paradigme où vraiment on tombe tous d'accord sur cette question, autant au niveau individuel entre nous, entre individus, qu'au niveau des nations et des groupes, du coup, bon, à opérer cette transition, hein, pour revenir sur le thème de la transition, cette transition. On pourrait parler d'une transition, ouais, à la fois, donc transition de civilisation, ça impliquerait donc justement une prise de conscience collective qui, avec un nouveau paradigme qui englobe un peu tout, donnerait du sens à nos actes, là où jusqu'à présent on ne savait pas trop comment agir, comment trouver les bonnes. Les bonnes solutions, parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu, avec des conflits de tous les côtés, des conflits d'intérêts, donc des intérêts ou des rapports de force, hein, tout simplement. Et que du coup, ce paradigme, il permettrait, non peut-être pas d'atténuer les rapports de force, mais en tout cas de leur trouver une interprétation constructive. Destructive aussi, parce qu'il va falloir détruire pour reconstruire, servir. Donc, on va dire auto-éco-organisatrice plutôt que constructive, dans le sens où le constructivisme implique systématiquement une destruction. Pour construire, il faut passer à autre chose. Donc, pas faire table rase du passé, mais savoir distinguer le vrai du faux. Et là où les erreurs du passé, bon, ben, celles qu'il faut pouvoir effacer, et puis celles qu'il faut garder absolument comme. Donc ça, je vais essayer de vous le proposer, enfin vous le montrer un petit peu. Tout ça, c'est du blabla. Pas de démagogie, hein, on ne tombe pas dans le. Pas d'appel à l'émeute, rien du tout, parce que c'est à chacun de comprendre un peu et de trouver les solutions. Donc la solution, on l'a tous en nous-mêmes. C'est cette fonction de régénérescence là, elle est là, c'est ça l'objectif, hein, qu'on en ait tous conscience et qu'on arrive à la maîtriser à peu près. Donc garantir une bonne santé, et puis au niveau de l'esprit, donc ça c'est le corps, et au niveau de l'esprit, à travers mes futures vidéos, vous montrer, donc continuer en fait, moi je me dis simplement, tu continues ton travail de philosophe. Si tu as pu aller jusque-là avec dans ta petite condition au RSA, tout ça, et ben continue. Voilà. Pour vraiment donc prouver à chacun, à toute la communauté, au grand public, qu'il y avait vraiment quelque chose de. Il y a quelque chose de super puissant derrière tout ça, derrière tout mon discours, toutes mes découvertes. Et que c'est à chacun après de s'en emparer comme il l'entend, hein, parce que si c'est la cause du mouvement, un truc vraiment super fondamental, que de toute façon, voilà, faut comprendre que moi, voilà, je peux pas, même si je voulais en faire une tyrannie, une dictature, un espèce de totalitarisme nouveau, je pourrais pas. Dans le concept même de la spatio-temporalité, justement, il y a tellement de liberté que il y a le fondement du droit. Et donc du coup, aucun risque de dérive idéologique du coup. On ne peut pas faire de l'espace-temps une idéologie totalitaire ou une secte ou quelque chose comme ça, parce qu'il est tellement fondamental ce concept qu'il fonde même la civilisation. Hein. Donc après, si on appelle la civilisation humaine une espèce de secte, bon oui, moi je le fais souvent. Hein. Mais voilà, toujours à resituer dans son contexte spatio-temporel, c'est-à-dire si c'est le début de la civilisation, son milieu, ou alors la fin d'une civilisation, tout dépend comment on la perçoit en fait.
Donc là, essayer de voir en fait une fin de civilisation en ce qui concerne bah, tout ce qui est nuisible un petit peu directement hein, envers nous là, actuellement. Donc là, sur abondance de produits qui entraînent un désordre social et écologique. Ça, c'est bon, voilà, l'empreinte d'origine anthropique, hein, on dit c'est le CO2 d'origine anthropique qui pose problème par rapport à ce réchauffement. Mais pas seulement, voilà, c'est toute notre qualité de vie, la qualité de l'environnement. Donc tout ça. Et après, de se dire, bon, de montrer en fait au fur et à mesure de mes démonstrations, qu'effectivement, quelque chose d'aussi fondamental. À la capacité de tout refonder, quoi, du coup, tout revoir. Et que ça nous ouvre, du coup, des portes vers l'avenir, vers un avenir un peu plus serein, moins menaçant, quoi, et puis un peu plus coloré, quoi, un peu plus de lumière. Parce que là, quand on regarde le XXe siècle, que l'humanité, elle se projette un peu pour les années à venir, les décennies à venir, on voit pas grand-chose en fait. On a vraiment du mal à se projeter. Du coup, au fur et à mesure de mes démonstrations, le but, c'est qu'il y ait une espèce d'éveil, une émancipation, où petit à petit, bah, les sciences, elles retrouvent leur voie, leur rationalité en fait, du coup. Là où elle se serait laissée un petit peu entraîner ben, dans notre dérive, comme au 19e siècle, hein, où à l'époque il y avait des sciences qui étaient, qui ont émergé et puis qui sont éteintes juste après parce qu'on n'était pas dans le bon paradigme. Exemple, la phrénologie, la phlogistique, des choses comme ça. Donc se dire que bon, la théorie électromagnétique, c'est pas. Bon, c'est pas de la phrénologie non plus, hein, c'est quelque chose de dur vraiment qui fonctionne bien, mais qu'il est nécessaire de dépasser, donc voilà, avec cette philosophie du tout. Le projet c'est quoi? C'est d'aller dans le détail, de traiter un petit peu, tout en restant dans un fil conducteur cohérent. C'est-à-dire. Dans le détail, par exemple, la théorie des nombres, hein, donc là on ne peut pas être plus fondamental et dans le détail, hein, dans la précision des choses, puisqu'il s'agit de calculer, de trouver la bonne méthode pour compter, calculer, mesurer l'espace et le temps. Donc je peux rester sur ma spécialité, puisque je découvre vraiment au niveau fondamental. Donc je vous explique ma théorie des nombres, je la formule, je la mets sur pied, on va dire, hein, je lui apprends à marcher maintenant qu'elle a quelques années déjà. Elle est en mesure d'être un petit peu plus autonome. Donc je vous expose ma théorie des nombres en faisant des parallèles, donc comme j'ai fait déjà la vidéo hier soir, avec ce qui se fait actuellement dans ce qu'il y a de plus dur, quoi, hein, donc en faisant appel aux polytechniciens, à l'école des mines, voilà, Institut Liebig, Poincaré. Et donc du coup je me confronte directement avec mon petit smartphone et mon RSA. Et je continue comme j'ai toujours fait, hein, je me confronte à l'Académie des sciences, à la communauté scientifique, en m'adressant, en prenant tout le monde à témoin, avec un discours un peu plus vague, voilà, d'économie politique, de sociologie. Et poc à poc, hein, comme on dit dans la région, petit à petit, que du coup les scientifiques s'emparent de mes travaux et se rendre compte qu'effectivement là il y a quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Hein. Et que du coup ça puisse suivre donc au départ avec les matheux, les physiciens, et puis après que du coup les sciences sociales elles puissent en vérifiant effectivement, donc du coup grâce à Freestyle TV, moi en fait le but c'est que tout le monde s'aperçoive qu'effectivement, il y a mes mathématiques, elles ont une portée jusque dans la physique quantique, jusqu'au problème de l'information et de l'internet quantique, cet enjeu-là, et que tout le monde le voit en fait de ses yeux. Ah oui, effectivement, sa philo fait que d'accord, elle refonde les maths, ok, c'est vrai.
Donc du coup derrière, bah, que les médecins, les dentistes, les coiffeurs et compagnie et tous les gens qui sont dans le soin prennent vraiment ma guérison au sérieux dans le sens de vraiment de se mobiliser pour une question de santé publique, hein, d'intérêt général. Et du coup derrière, bah, les sociologues, les philosophes, tout ce qui concerne les sciences humaines, les artistes, hein, bien sûr, bah, prennent conscience de cet événement-là. De ce nouveau paradigme qui émerge, et du coup essaye de l'intégrer à leur travail d'investigation, d'analyse, de réflexion, et dans une démarche de progrès, hein, de progrès humain, progrès au niveau de la santé, déjà en ayant la nature du mouvement, de l'élan vital, progrès au niveau du développement technologique, hein, où on va peut-être pouvoir percer justement ce mystère de l'intelligence artificielle, et du coup pouvoir accéder à une intelligence moins énergivore, hein, moins problématique au niveau idéologique aussi. Et du coup, ben, là, bon, tous les économistes, hein, j'invite vraiment tous ces gens-là, l'économie politique, à reconsidérer notre organisation sociale, du coup, hein, d'une manière positive dans le sens réel des choses et non pas dans une idéologie positiviste, messianique et un peu post-industrielle, mais un positivisme concret à la Auguste Comte, hein, vraiment du beau, du bien, du vrai, du juste, où on peut effectivement corriger les erreurs de la nature en fait, hein. Autant au niveau de nos corps. Les erreurs du temps, à travers le temps, on a cette fonction pour revenir dans le passé, réparer le passé, tout en continuant d'aller dans l'avenir, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul sens, mais voilà, cette faculté de réversibilité qu'il y a dans la matière elle-même, à travers le temps, et donc c'est tout ça, c'est applicable aussi au groupe, bon, à l'individu, à son esprit, à sa psyché, à tout ce qui concerne aussi le... Voilà l'organisation des individus en règle générale. L'auto-éco-organisation, plutôt, si on veut essayer d'être en phase avec la nature. Donc voilà, reconsidérer les théories et du coup aller de l'avant et reprendre espoir en l'avenir. Même si l'avenir il n'existe pas, il n'existera jamais à part au présent. Et voilà. Et en se réconciliant avec le passé aussi, qui lui non plus n'existe pas, il a existé, mais voilà. Donc c'est facile de les annihiler, du coup, hein, ces rapports au temps, au passé, à l'avenir et au présent. C'est facile d'en faire un néant. Et c'est ça le piège, justement, hein, parce que comme ils sont vraiment au fondement du tout, même du rien, cette interaction fondamentale. Bon, bah, la société tombe dans le nihilisme, dans le grand néant, dans le grand vide, et puis c'est là où les pièges de mimétisme, du narcissisme se mettent en place. Et là, on tombe dans des systèmes d'avanglement, d'effets de masse, de foule, et dans des dérives du coup idéologiques, démagogiques, etc. Donc c'est tout ça, c'est tout ces risques de déviance que j'essaye, c'est de l'écologie de l'action un peu que j'essaye de mettre en avant, en disant attention, attention, faites pas n'importe quoi avec YouTube, Facebook, Twitter et compagnie, parce que ça prend une tournure de Troisième Guerre mondiale. Et essayons de retrouver notre génération, je parle de la mienne, celle qui arrive après, de retrouver un peu du sens à l'histoire. Voilà, on arrête sur le soleil qui a du mal à... Voilà. À plus.
Freestyle TV, là, je sors du magasin CBD, enfin ça. Je discutais juste, je lui disais bonjour au vendeur, et parce qu'on se connaît, on a fini par se connaître à force de discuter comme ça. À la laverie, quand je viens à la laverie ou chercher mes mégots comme ce matin, je prends les mégots de clope dans les cendriers de voile d'homme. Et bon, donc je lui parle de mes chiens, il dit, ah, les chiens ils vont bien. Et puis je vais avoir une portée avec des petits chiots, donc il est d'accord, il me dit, ah bah oui, si tu veux les donner, il n'y a pas de souci, tu me fais des petits papiers. Et puis je les. Donc l'idée en fait, ça serait d'utiliser un petit peu cette animalerie où je dois donner des animaux, donc où je vais être obligé d'être en contact physique avec des gens. Téléphonique, tout ça, on va m'appeler, je vais communiquer et je me connais, moi je parle beaucoup, je raconte ma life comme on dit. Raconte pas ta life, mais là c'est vraiment si je raconte mes recherches, plutôt mes découvertes. Et donc du coup j'en profite pour parler de ma guérison et tout ça, je vais voir. Hein. Je vais essayer d'en profiter un peu. D'être obligé d'aller voir les gens parce que je voulais faire des vidéos. Là, je suis allé encore à Super U ce matin, mais déjà, je suis mal dans ma peau, je me sens pas bien. Parce que je me réveille dans la nuit, là, ça fait 2 jours que c'est comme ça, 2, 3 jours, donc c'est très mauvais signe. Ça veut dire que je suis en dépression en fait. Et donc, je voulais faire des reportages. Dans la rue des micro-trottoirs, demander aux gens un peu ce qu'ils en pensent de tout ça, la guérison de calvitie et le blocage de l'État, des politiques qui m'empêchent de me développer, quoi, en fait. Donc, je suis profondément en colère au fond de moi, vraiment. J'ai une colère, j'ai une haine, j'ai une rage, un désespoir. Hein. Face à ce qui m'arrive, pas au milieu de la route, Tornade, non, pas au milieu de la route, pas au milieu. Là, voilà, là c'est bon. Là c'est bon. J'ai un désespoir, vraiment une déchirure quand je vois comment j'étais traité et en fait comment on continue à me traiter et que les gens trouvent pas les mots, ils trouvent pas les comportements pour. Et qu'ils voient en moi tout de suite une incompli, enfin. Une espèce de défi. Ouais, défier quelqu'un, quoi. C'est ça, c'est qu'on a envie de me défier systématiquement. Je veux dire, ouais, mais toi, là, ce que tu racontes. Donc, non, donc du coup, on m'évite, on m'ignore en me disant, ouais, mais lui, c'est le mal absolu, quoi. Ou je sais pas, justement, ça me saoule, en fait. D'être traité comme ça, où j'essaie d'aller vers les gens, j'essaie de prendre des contacts, et en fait, tout ça, ça m'intimide, ça me fragilise, je me retrouve dans une putain de situation de merde, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Hein. On devrait tous être à fond sur ce que je découvre, et là, je devrais trop travailler avec plein de gens, être en symbiose, quoi, un peu avec mon environnement, plutôt que l'inverse. Hein. Donc c'est quoi? C'est parce que alors donc j'ai vu encore un livre hier sur le management nazi. Est-ce que c'est ça qu'on subit depuis 20-30 ans en France, en Occident, c'est qu'il y a une espèce de dictature, une tyrannie, on va voir même un totalitarisme quoi, qui une déviance politique et économique et avec le management quoi en fait en haut lieu qui en fait qui ravage tout et qui nous humilie jusque dans nos consciences où on est sclérosé, on est complètement immobilisé par la peur et ce qui fait que quand les solutions arrivent, on est incapable de trouver les bons comportements pour les adopter en fait. On sait pas comment les recevoir ces solutions. On pourrait voir ça comme ça, quoi. Ce sera vraiment, c'est un phénomène encore une fois de plus spatio-temporel où bon, les structures du pouvoir, de la hiérarchie et de l'ordre et de l'obéissance et du fonctionnement même, hein, l'économie, la monnaie et tout du système, elles sont tellement en place, quoi. Elles sont tellement dures que le mec qui arrive comme moi avec des solutions, on se dit, mais. Personne en fait
Voilà. S'il faut réinventer tout le système ou l'interprétation du système. Bon, j'arrête, j'ai pas envie de faire les vidéos, je pense que je vais même pas la publier. Tiens, 5 minutes, tu vois, ça prouve que j'en ai marre en fait de faire des vidéos. Yeah.